Bonjour les gars, bonjour, je sais pas si on est en live. Bah non, si on est en live maintenant. J'étais encore une dernière fois, petite revisite du micro pour voir si on nous écoute bien. Ouais, c'est bon, on nous écoute bien normalement. Alors salut, salut, salut. Alors les gars, ce que j'ai compris sur ça, sur le serveur, c'est la guerre, voilà. Kiri est en guerre contre un village, je sais pas c'est lequel, c'est Suna ou Konoha, je sais pas. Mais on est en guerre contre quelqu'un maintenant. Donc maintenant, va falloir assumer si on pas crever. Ah merde, je voyais encore des trucs, je vois pas, putain! Ah, fait chier! Ah merde! Attends, du coup, est-ce que le skin là. Oh putain, on voit pas. Ah, mais ah, c'est bon, on va rester avec celui-là, même si c'est un skin de meuf, on va le garder. Enfin. On voit pas trop que c'est une meuf, mais bref. C'est pas grave. On est une femme. Alors, dans ce que j'ai compris, il y a eu une bataille, mais j'étais pas là pendant la bataille, donc fuck it, hein. Et du coup, il y a eu une bataille. Simplement ça. Voilà. Pour ceux qui voulaient savoir des trucs, fuck. Allez, regardez mon gars si vous voulez savoir un truc. Bonjour. Bonjour. Ouais, Vous voulez faire un bonjour. combat contre moi, s'il vous plaît? Non. Non, non. Vous avez dit quoi? Non! Quoi? Pff, pas d'humeur pour faire un combat, moi. J'ai vu, il y avait eu une bataille, c'est passé quoi? Je sais pas, ouais, apparemment il y a une histoire de guerre entre notre village et je crois celui de Suna aussi. Ah, d'accord. Non, on a attaqué le repère de la Katsuki, c'était marrant. Alors on a gagné? J'ai tué une personne. J'ai tué un Nambu de Konoha. Ah. Mais c'est pas Mais 4, t'as c'est... pas passé ton. T'as pas passé l'examen, Rinka? pute! Mais pourquoi je suis tombé, putain? Attendez, faut que je recommence d'ici. Merde, putain, merde. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bon. Salut Minato, comment tu vas? Tu l'as jusqu'à quelle heure? Ouf, j'ai live un peu n'importe quand, hein, tu sais, genre. Là, je viens de commencer un live, c'est pas pour m'arrêter dans 30 minutes, tu vois, par exemple. Mais je sais pas. Je sais pas encore combien de temps je vais faire de live. Un petit 1 heure? Ouais, un petit 1 heure. On s'apprend, on va sur un autre jeu. On va pas rester sur le même. Bon. Ah oui, je vais faire la petite pub sur le Discord. Pour dire que je suis en live. Copier. On va sur le Discord. On va sur le Discord. Oui, voilà. On met live. Ça, vous savez que les gens sur le serveur savent même pas que je fais des lives. Je préfère ne pas dire que je fais des lives, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Pas de favoritisme et pas de gens qui vont venir chez moi pour m'attaquer, tu vois. Ce sera mieux. Comme ça sera vraiment une expérience RP, tu vois. Genre, il n'y aura pas de. Genre, quand quelqu'un sait. Enfin, comment dire. Même moi, j'ai eu ça quand il y a eu des gens, des mecs de Twitch, des gars de YouTubeurs. On essaie de se mettre en avant, tu vois. On est là, bah, hey, salut, j'existe. Deviens pote, tu vois. Mais non, en fait, si tu te demandes pas, enfin si tu dis pas que j'ai fait de la live, c'est comme ça, les gens ils vont être normaux, ils vont être posés, ils vont pas avoir de préjugés ni de préavis sur moi, et donc, voilà, le RP il est déjà mieux. Bon, voilà, la pub a été faite, je peux faire ça. Désolé, je suis plus devant le live du coup, je suis en train de faire des trucs importants. Merci de me dire maintenant si la voix bug ou pas. Ça m'aiderait à savoir si je redémarrais, faire des trucs patati patata. Maintenant. Ça va et toi, super. Yo Mustapha Wally, comment tu vas? Yo, en fait une Naruto RP, sinon ta voix. Merde, la voix robotique? Maintenant. Oh merde! Oh putain! Oh la voix robotique! Bon les gars, dites-moi sur le serveur maintenant. Est-ce que je redémarre vite fait le live en espérant que ça retire le bug ou je tente pas le diable et je laisse comme ça? Bon, parce que si je recommence le live, il y a moyen que ça fait une enroule de merde, si vous voyez ce que je veux dire. Et que ça fait tout bugger.
Réfléchis. Ah merde, putain, le bug de son, putain. Ah ouais, en fait, les gars, je suis en train de me dire maintenant. Je pense que je vais pas attendre. En début, je voulais attendre un peu avant d'aller m'acheter un micro. Mais je pense qu'on va le faire assez rapidement, le micro. On va aller acheter rapidement le micro. Parce que là, putain, mais genre, mais là, c'est plus possible. Genre, les putains de bugs de merde. Genre, juste le bug du micro, ça pète les couilles déjà. Putain. Putain de micro, putain, occasion mes couilles. Enfin, c'est pas un micro occasion, mais c'est ça qui est bizarre. Genre, c'est un micro que j'ai acheté. Bon, après, ça fait, je sais pas, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Du coup, il y a moyen que ça cause de ça. Donc, bon, voilà quoi. À un moment donné, les petits bugs, ça fait chier. Je reviens. Ok, vous répondez pas à ma question, les gars. Est-ce que je redémarre ou pas, bordel de merde? Écoutez-moi, bordel! Répondez à ma petite question, est-ce que je redémarre le live ou pas, les gars? Bon, sinon, je peux laisser la gueule à le son, hein. Moi, ça me dérange pas parce que j'entends pas le son. Mais après, c'est vous allez entendre une voix de robotique, et tu vois, regardez sur un oui. Sur un truc là, comme ça, sur un Naruto. Donc, bon. Ah, y'a personne qui me répond, bon bah super, on va continuer là comme ça. Vous savez quoi? Allez, sors là-bas. Ouais, bonjour, je suis heureux, je On a suis une encore là. différence de combien? Bonjour. 1003. 1300, vous enlevez quoi toi? On va les voir par là en attendant, on ne bouge pas. On va lui dire bonjour quand même. Sayonara. Sayonara. Il voit quelqu'un arriver. Sayonara. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà rencontré ou première fois? Non, je pense pas. D'accord. Tu es? Ah, Uken Sakada. Je suis Genin. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça. T'es passé gainé aujourd'hui. Non, hier. Quel élément? J'ai le katon, le feu. Moi, je Là, regarde. suis Ipyuki, donc du clan Yuki. Ah, Et d'accord. je suis Jonin, d'écurie. Vous pouvez m'expliquer un peu tout ce qui est clan? Je connais pas, moi. Comment ça, qu'est-ce que tout ce qui est clan? Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave, oublie. Tiens, c'est bon, c'est bon. Y a quelqu'un sur la montagne là-bas. Vous le voyez là-bas sur la montagne? Bon, bref. On va dire que plus sérieusement, je ne connais pas trop tout ce qu'il y a avec. Les clans, là je connais pas trop les clans, vous pouvez m'expliquer un peu? D'accord. Il m'emmène à l'école? Ouais. Ouais, super, hein. Il va me faire étudier. Donc après, il aura un petit rapport à faire. C'est sympa pour lui, hein. Première personne, c'est mieux. Voilà. C'est bon. Je suis prêt à écouter. Donc, tu veux savoir en gros le but des clans? Dis-moi ta question. Vous devez savoir un peu tout ce qui est pour les clans. Les différents clans, Akiri. Oui. Mais simplement, une brève explication des clans qu'il y a Akiri. Parce que disons, je suis comment dire, je suis un culte. Culte, je connais rien. Faut
Taisez-vous, il n'y a plus le droit de dire ça maintenant. Vous arrêtez de dire ça maintenant, ça a changé. Nouvelle règle. Peu importe le grade. Tu disais? Je parle. Pouvez-vous me faire une explication des clans qu'il y a à Kiri? Les noms des clans et autres? Non mais vraiment, arrêtez. Comment ça, vous parlez à moi? Non mais sinon c'est un dégrade, vraiment. Monsieur, vous avez un problème de personnalité ou quoi? Vous parlez tout seul. Donc tu disais désolé, il y a des interdits. Non, d'accord. Je voudrais juste savoir les clans qu'il y a à Kiri. Genre, vous m'avez dit qu'il y avait un clan que vous veniez, vous, d'un clan. Bah, il y a plusieurs clans, il y a le clan de Terumi, il y a le On va clan lui de demander si. il y a le clan Otsuki aussi. On va lui demander. On va lui demander s'il m'entend bug parce que j'ai l'impression qu'il m'entend bug. C'est pour ça qu'il. Je pense que ouais, il m'entend bug. Chier ça. Ah, mais peut-être. Il m'entend pas bug. Mais réponds, bordel! Normalement, ça doit. Oh, c'est tout ce que c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Tu veux des détails ou pas? Non, ça va. Ok. Ah oui, et par rapport à ce qui s'est passé hier, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une bataille entre Kiri et Suna. Oui. Maintenant, genre, si on voit des ninjas de Suna, c'est escarmouche directe. On doit engager le combat. Diplomatie avant. Parce quoi là? Frère, wesh. Ah, bonjour. Se passe quoi ici? Non! What? Oh shit, merde! Il y a une. Voilà quoi. Pour la liquéfaction du corps, Kiri, je connais pas trop, il y en a beaucoup. Ok, merci. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Bonjour. Ah. Moi c'est Isaac. Ah, Enchanté. moi c'est On Ouken. serre la pince? Pince? Comment ça, t'as une pince à la place du bras, toi? Serre la pince. Il a une pince en fait, hein. Enchanté. Il a une pince en fait, les gars, je crois. C'est le zoo ici. Aïe. Ça fait un peu mal, ça. Courez, courez, courez! Monsieur, vous pouvez me passer Guénine, s'il vous plaît? Non. Ah, attends, t'es nouveau, toi. À lui là. Ah non, moi je suis pas mieux, moi. Moi je suis vraiment pas mieux. Si, faites-le, Vous pouvez me passer Ah Guénine, s'il vous non, plaît? je pense que vous êtes un Passez-le, peu. passez-le. Vous êtes un peu plus S'il vous truc que plaît, non, moi. s'il Non, vous non, plaît, mais non, moi je suis. non, 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 Ah, moi non, je suis non, non, vraiment. non, 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 moi je suis. Je peux pas, moi je madame, suis. vous pouvez me passer Guénine, s'il vous plaît? Non, non, on se casse. Vas-y, on se casse en attendant que. En vrai, qu'elle le dit, toi, viens. Merde, merde. Non, de la merde, putain! Merde, j'ai perdu toute ma vie, comment on fait pour soigner? Bon ben. Bon ben. Slash kill. Voilà. On est obligé. Ah ouais, en parlant de ça. Ouais, du coup, j'ai pas beaucoup de technique, on va faire ça, Jikimamo. Let's go! Bon bah je regarde là la rediff. Ok, ciao ciao. Ah ouais, Mustapha c'est le gars qui me dit à chaque fois, eh vas-y va sur du Naruto. Et quand il y a du Naruto, je regarde là une piste un peu plus. Je regarde là la rediff un peu plus tard. Oh merde.
Tu passes moi Guénine s'il vous plaît. Et je peux pas te passer Guénine, je suis Guénine, je pense pas que je peux te passer Guénine, c'est le problème. Tu casses la tête. Ah c'est pas ma faute. Ouais mais wesh sur toi il sait se téléporter, il me demande de passer Guénine, c'est quoi ce bordel? Petit connard là, wesh attends il sait se... Oui, oh oui, NON! Putain. Putain de merde! Il va se marrer sur moi. Oui, non, non, c'est bon. Bonjour, excuse-moi, t'es encore présent? T'es encore là? Eh? Oi, 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 oi. Oh, il est pas présent. Ouais, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais. Tu sais où il y a une infirmerie? Il y en a pas ici. Ah, d'accord. Genre il y en a pas parce qu'on en a pas besoin, genre c'est un peu méchant ce qu'il y en a. Elle me dit qu'il a... Ah. D'accord. C'est la seule façon pour se soigner en tout cas. D'accord, d'accord. T'es quoi comme rang toi? Comment? Quel rang t'es, genre Chunin, Genin, Ninja? Genin, et toi? Ah aussi Genin. T'es là? Ah oui, non, j'ai dit que moi aussi j'étais Genin. Ok. Pas beaucoup de guerre, hein. On m'a dit qu'il y avait la guerre et tout ça, c'est pas juste. Bon, il va falloir que je renomme la rediffusion parce que je me dis c'est la guerre, mais y a rien. C'est la post-guerre. L'après-guerre ou la post? La post, c'est après. L'après, c'est avant. Du coup, je dirais que c'est l'après-guerre. L'après-guerre de Kiri. Et tu sais comment ça se passe au niveau des clans? Des clans à Kiri. Parce que j'ai compris, il y avait des clans, mais je connais pas des clans. J'avoue, bah apparemment, oui, il existe des clans, enfin des clans. C'est des clans. Ouais, genre. Ninja, mais bon. Pourquoi toi, t'en fais partie des clans de ninja? Non, c'est pour ça que je mens. Comme ça, si j'en croise un, mais je suis pas un Ouais, culte. moi aussi. À vrai dire, ouais. À chaque fois que quelqu'un fait partie d'un clan, il dit même pas. Facile de savoir, en fait. Je sais que dans d'autres villages, je connais quelques-uns qui font partie de clans, mais ici, je ne sais pas. Ah oui, par rapport à la guerre, du coup, il va se passer quoi? Genre, s'ils attaquent le village, on doit défendre, c'est ça, hein? Ben, normalement, oui. Oui, ouais, genre. Histoire de guerre, après, plutôt dans la journée, disons que on est parti aller piller le palais du Kazekage, donc bon. Ok, d'accord. Piller, on a volé, machin. Ah, vous avez volé des objets et autres, Normalement, l'argent. il risque sans doute de rappliquer. Hein. Ah, d'accord. Donc on est sur... Donc nous, Ganin, on est un peu la première frontline, c'est ça? Bah, si tu veux affronter le Kazekage qui possède le. Si j'ai pas de conneries, enfin, il possède les techniques de sable, il te fait apparaître des mains du sol, il peut voler, il a toutes les techniques. Disons que ça va pas être facile. Je l'ai déjà affronté, je t'avoue, heureusement que je suis, sinon je serais encore mieux. D'accord, donc on va, voilà quoi. Bonjour, Bonjour. bonjour. Donc ouais, s'il y a une bataille, on sera un peu En de gros, la on va chair à rester en canon. arrière-plan. Ah ok, d'accord. Ouais. Non, mais on va juste rester ici, on va lancer des shurikens et des techniques si. Ok. Ouais, mais s'il vient vers nous, du coup, on est un peu mort en fait. Aussi. Bah, il y a deux solutions. Soit tu fuis, soit tu pars au combat, mais t'as une chance de crever, soit tu fuis et tu te caches. C'est pas très honorable ça de fuir.
Yo, salut 17, what? C'est quoi Alors ce nom? maintenant, au moment, disons qu'on a un sceau, on empêche les personnes d'arriver. À part, du coup, le Kazekage qui peut voler. Ah, d'accord. Lui, il peut passer loin de la barrière, par contre, le reste, ils seront bloqués. Ah oui, Donc, ils vont se dis-moi, cacher dans la j'aurais une barrière. question. La barrière, c'est quelque chose de physique ou c'est genre. Oh, la gars, Ouais, c'est y a tu pas vois là, quelqu'un le qui veut me mur passer noir. Guénine? Oh, les gars, vous pouvez pas me passer Guénine, s'il vous plaît? On est des guenilles nous-mêmes. On peut pas, je pense. On peut Oh pas là là. faire passer le même rang. Bah, par contre, attends, wesh, il veut passer Guénine, mais il a déjà des techniques intéressantes, lui. Ouais, mais tu as des élèves. L'autre fois, je suis tombé sur un élève, il possédait des techniques de. Alors, si je dis pas de conneries, c'était du Raiton. Plus placement rapide. Mais Il pas. possède des techniques comme ça, tout. Comment ça? Ah non. Moi je suis un peu le. Moi c'est mon père, il est paysan, il m'a envoyé ici. Pour avoir une meilleure vie, mais j'ai l'impression que c'est pas meilleure vie ici. Bah, c'est la guerre tous les jours, quoi. Allez, quoi. Ouais. Et Tu vois, avant, quand tu dis on le. était alliés. Et avant, tout le monde Non, mais quand tu dis. s'entretuait, ouais. Ouais, bah, il y a 3-4 jours, il y avait une alliance pour combattre un monstre gigantesque qui avait apparu dans Kyrie. Et maintenant, on est tous en guerre. Comprends. Je sais pas. C'est un peu la politique, hein. Ouais, du coup, toi, c'est quoi ton pouvoir, ton chakra? Je possède le Doton. Et Ah. toi? Katane. Le feu. Être intéressant en vrai le On feu. m'a dit qu'il était bien. Enfin, on m'a dit que c'était bien d'avoir Oui, ça. il est bien. Pas l'air d'avoir grand monde, j'ai Attends, du l'impression. coup, j'avais aussi une question à te poser. Le mur, c'est quelque chose de physique ou on peut monter dessus ou c'est un truc magique entre guillemets? Bah, tu vois le truc noir, c'est le mur. Ah, ok, d'accord, c'est un vrai mur. Ouais, voilà. Oh putain, d'accord, je Et en pensais. bas, le Okay. truc que tu vois, c'est le seau, enfin des. Je crois que c'est une C'est un barrière. saut spécial que les gens Mais peuvent pas faut. passer à part les plus grands personnes Voilà. fortes ou. Bah, il faut déjà, faut avoir l'autorisation pour le passer. Et pour le passer, ouais. Facile. Mais bon, il y en a, ils s'en foutent complètement et ils passent quand même. Mais bon. Ils sont censés briser le seau. Ouais, mais c'est sûr qu'ils passent Mais comme ça, on peut les la attaquer. barrière, elle est pas assez grande. Le problème de la barrière, c'est qu'elle est pas assez grande. Et t'as des gars, ils passent. Tu vois là, les montagnes. Ouais, je vois. Bah, là-bas, en fait, c'est possible de passer sans qu'on ait la barrière, quoi. Ouais, mais s'ils passent par là, on les défonce quand même. On les attaque. Mais si tu tombes sur un gars qui peut voler ou qui peut se téléporter assez loin et donc s'il va en haut de la barrière, on est mort, tout simplement. Ah ouais, en parlant de D'ailleurs, je viens ça. de remarquer, mais ils ont augmenté la Moi, hauteur. je suis déjà allé au-dessus de Ouais, la c'est barrière, du beaucoup coup. plus haut. Enfin, de la muraille. Ça, c'est haut. Ah, moi aussi, je suis déjà y allé. Je me suis aidé des montagnes. Ouais, moi aussi un peu. Enfin, moi, j'ai utilisé le saut. Je sais pas si tu vois. Bon, bref. Attends, sinon, nous, on peut pas aller dehors, hein. On est d'accord, hein. Si on va dehors, c'est exécution. Non, on peut pas. Même si on est de tous les. Si on est plus haut. Je sais pas moi, Chunin ou Johnny, les machins. Faut avoir l'autorisation. Okay. Si on n'a pas de l'auto, ça sert à rien d'y aller. Non, pour t'expliquer, en fait, le jour où je suis arrivé ici, dans le village, pour me faire former et devenir un genin, genre te dire qu'il y avait des personnes qui étaient retrouvées mortes, tu vois, genre super ambiance, tu vois. T'arrives et t'apprends que t'as des gars, ils crèvent comme ça sans aucune raison. En plus, c'était un Ganin, hein, genre, moi j'étais en train de me dire, ah, ok. Non, mais en Guénine, mec, tu te fais one shot par tout le monde. Ah, Surtout les mecs Python, ils ont une technique, mec, ça te met à aller pendant 5-6 secondes, tu peux plus bouger, les gars, et t'enchaînes. Normalement, t'as qu'une seule technique en tant que Katon ou t'en as deux? Deux. Ah donc, et tu sais les maîtriser, cette technique? Ah ouais, je peux les utiliser. Là, je me suis entraîné, Mais hein, t'es au avec courant Chrono. qu'avec une de tes techniques de Katon, tu peux faire un mur de feu? T'es au courant de ça? Non. Ah, bah tu peux faire un mur, Attends, vas-y, viens, viens viens, me tu peux faire m'aider en bas? l'échelle. En bas, c'est quoi ça? C'est une arène? Vas-y.
On a rien que c'est ici qu'on fait tous les combats et entraînements. C'est quoi le mur de feu là? Alors non, montre-moi ta deuxième technique. Ah, je pense que j'ai pas, c'est ça et ça. Ah, peut-être que c'est ta troisième, je sais pas. Regarde, je te montre la première. Vas-y, tire. Ok, alors c'est sans doute ta troisième alors. Tu feras un mur comme ça. Alors attends. Je me trompe pas. Tu feras un mur comme ça, c'est qui sera en feu. C'est un mur de pierre ça? Ouais, ça c'était un mur de pierre. D'accord. Ok, ok, ok. Y'a quelqu'un qui nous regarde à droite gauche. Non. Moi pour l'instant j'ai que ça qui peut être bien. Allez. Ah ça a été détruit. Ouais mais si je dis pas de bêtises, c'est sûr que cette technique soit l'autre et détruire tout ce qui est seulement. Vas-y attends réessaye, je vais essayer avec mon autre technique. Alors attends. Tire dessus. Stop, 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 stop. Ah non, il est cassé mais on passe pas à travers. Essaye ton autre technique. Vas-y attends, attention. Ah non, ils ont enlevé le problème. Mais ouais, mais en tout cas, je crois que tu peux détruire tout ce qui attend. Genre ton mur en pierre, on pouvait, non? Je vais dire, qu'est-ce que. Ouais, que c'était juste le tour alors. Non, je trouve qu'il est. Ouais, il disparaît comme vite. Je n'ai pas quoi. Ah merde, attends, ils nous ont demandé de former un élève, va me cacher moi. Tu t'es pris de plafond. Non, non, bah non, moi j'ai rien du tout moi. Moi c'est... Moi je suis caché, hein, c'est bon. Ah bah il va se cacher en hauteur. Allez. Essayez de me former, il a dit. Essayez de me former. Allez voir au gars en bas, il a dit. Quel fils de pute. Si vous pouvez me former. Vous pouvez, il a dit. Rien à foutre d'or. Hé, je dors. Non, non. Vas-y gros. Ah, oh, putain, on doit se casser, on doit trouver un autre endroit. Oh merde. Non ça va. Vas-y go, ouais. Nickel, c'est bon. On est caché sous le bâtiment. C'est bon, personne nous trouverait ici. En fait les gars, c'est big, bon, déjà sur le temps de manger, voilà, c'est pour ça que je vais pas. Merde, merde. Mais aussi. Ouais, chez le gars, il y a des techniques de ouf, il veut que je le forme. Non, c'est baisé. Ah merde. Quoi? Oh putain. Let's go. Let's go. Alors les gars, bon, vous êtes en train de vous dire, comment, pourquoi il gueule ce foiré là? Il a gueulé, est-ce que... Pour vous expliquer, ben, il y avait un serveur que je regardais, que j'attendais qu'il ouvrait, c'est Darling de France. Alors... Au tout début, ah salut, c'est, enfin salut Samuel, comment tu vas? Bon, au tout début, je vais vous expliquer c'est quoi Darling de France, hein, d'accord?
Alors, Darling in the Franxx, c'est un manga qui met en. En fait, c'est l'humanité. L'humanité a disparu. Enfin, a disparu. A disparu à moitié parce que les derniers humains vivent dans de gigantesques colonies. Imaginons, c'est des. Imaginez des grosses sphères coupées en deux, posées par terre. Voilà. Et qui roulent. Qui se baladent et qui récoltent une sorte de liquide qui se trouve en profondeur. Bref. Dans ce monde, les humains ont réussi à devenir immortels grâce à ce liquide, d'accord? Grâce à ce nouvel essence, hein, une sorte de pétrole, je sais pas quoi, un pétrole bleu, bleu, jaune, un truc comme ça. Et en fait, grâce à ça, ils sont devenus immortels, et maintenant ils vivent dans de gigantesques complexes. Problème, c'est qu'en récoltant cette nouvelle énergie, ils ont réveillé des monstres, des protozoaires, je sais pas comment ça s'appelle encore, bref, ça s'appelle comme ça. Proto. Attends, c'est putain merde, il s'appelle Proto. Bref, ils ont réveillé des monstres, en clair, ils ont réveillé des sortes de monstres un peu bizarres, un peu en mode géométrique, et qu'ils attaquent l'humanité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'humanité, pour se défendre contre eux, ils ont développé des Gundam. Des Gundam qui se contrôlent avec deux personnes. Il faut une fille et un garçon pour le contrôler. Bref, je vous passe comment ça marche, mais c'est un peu. Voilà quoi. C'est un peu sexy, hein, quand même. Mais bref. Voilà comment ça marche. Et après, les Gundam se battent contre les monstres, les tuent, patati patata. Pour tuer un monstre, il faut lui toucher le cœur. Le cœur du monstre, c'est quoi? C'est une sorte de perle bleue, jaune. Bref, il faut la transpercer pour le tuer. Ou je sais pas, il y a d'autres manières de tuer, mais bref, moi je vois comme ça. Et voilà, tout simplement. C'est ça, Darling de Franxx. C'est pour ça que je me dis, on va rejoindre le serveur, même s'il y a 300 fucking addons, on va le rejoindre. On va y jouer. Et on va jouer. Ah oui, pour ceux qui se demandaient, mais Shaladin, enfin ouais, CP, t'as commencé à jouer sur Naruto et maintenant tu pars sur Darling in the Franxx. Et bah tu sais quoi? Le live, je le renommerai. On découvre de nouveaux serveurs RP. Bitch, allez, let's go. C'est bon, et on mettra la fiche du live, vous voyez, le truc où on voit CP des strikes. Attends. Salut, ouais, yes, je te l'ai dit, mais t'as pas vu. Ah c'est vrai, t'avais dit qu'il y avait le serveur là qui était ouvert? Sérieusement? Ah merde. Siri sur ça, s'il te plaît. Ah ouais, non, direct, hein. Hey, Darling de Franxx, c'est un putain de manga, hein. Enfin, même si je l'ai déjà vu jusqu'à la fin, deux fois, j'ai déjà regardé deux fois, bon, pour expliquer, parce que ben, Darling de Franxx, c'est un peu spécial. Un jour, j'ai découvert Darling de Franxx, j'ai regardé. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 10, et après, bim, j'ai découvert d'autres mangas, comme Devilman Crybaby. Il y avait aussi Tokyo Ghoul Re que j'avais qui était sorti à ce moment-là, donc j'ai aussi commencé à regarder. Il y a la suite de One Piece qui continue à sortir. Il y a d'autres mangas avec des Gundam, je vous jure, avec des Gundam qui sont ouverts. Il y a pas longtemps, mon téléphone, ben, j'ai pu mettre IPTV sur mon téléphone, donc les mangas, les séries, Breaking Bad, Narcos, Stranger Things, j'ai tout vu. Enfin, j'ai tout vu, j'ai commencé à tout voir. Et donc, ben, Darling in the Franxx, j'ai pas pu continuer. Et là, récemment, pendant le confinement, ben, je me suis dit quoi? Je me suis dit, allez, tu sais quoi? On refait Darling in the Franxx et on regarde jusqu'à la fin. Et j'ai regardé jusqu'à la fin. Et sérieusement, c'est un putain de manga. C'est super bien. Au début, on peut se dire, putain, c'est un peu beauf le truc. Mais petit à petit que tu joues sur. Enfin, tu joues. Petit à petit que tu regardes le manga, petit à petit tu vois que ça traite de beaucoup de choses. Bon, pas de génocide, enfin si, hein. Bon bref, ça parle de beaucoup de choses, le manga, c'est ça, le manga est bien développé, moi, je trouve, personnellement, et la fin du manga, elle est super bien, elle est vraiment très bien, la fin du manga, en plus, hein. J'avais découvert, bon, après, voilà, quand même, vers la fin du manga, ça part un peu en couille, tu vois, ça part en mode Gundam géant, Gundam à tête de femme, patati patata, Gundam centaure, bref, ça part un peu en couille. Mais ça continue à suivre une logique super bien et j'ai super bien aimé. Et moi, si je pouvais vous recommander de faire un truc, c'est d'aller regarder Darling in the Franxx. Bon, je tiens à vous dire, il y a des scènes, voilà quoi, il y a des scènes un peu, mais il n'y a pas de ecchi, hein, d'accord? Enfin, si, non? Il n'y a pas de ecchi. Non, bref, il n'y a pas de moment. Il y a des moments gênants, mais ça passe. Ça passe largement, d'accord? Après, c'est pas un truc à regarder en famille, tu vois. En plus, le gars qui s'appelle Papa, c'est lui le méchant. Oh non, non, non! Hé, hey, les gars! Enfin, ne commencez pas à spoiler, s'il vous plaît. Pour les gens qui n'ont jamais vu le manga, qui sont sur le live, merci. Le manga se voit comme plagiat de Evangelion. Ouais, c'est un peu, ouais. Enfin, Évangélion, après, vous savez quoi, les gars? Vous allez me dire, ouais, t'es con, quoi. Évangélion, je l'ai jamais vu, hein, en plus, hein.
Genre, j'ai jamais vu Evangelion, hein. J'ai juste vu des moments, enfin, en baladant, en regardant des musiques de manga, tu vois, en regardant les openings de manga, ça que je... À un moment donné, j'aimais bien faire ça, genre, je regardais les openings de Fairy Tail, One Piece qui sont bien, openings de SAO qui sont bien, ouais, sont bien. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, quoi, hey, tu sais quoi, go regarder, et j'ai vu Evangelion, je vais regarder, je vois, c'est un Gundam, du coup, je me dis, ah. C'est quoi Gundam? Ouais, ça va, j'aime bien les rouilles. Et malheureusement, comme dans tous les openings, on peut voir les personnages, on peut comprendre c'est qui les méchants, donc ça m'avait un peu spoilé, ça m'avait un peu cassé les couilles, ça. Parce que je me disais, putain, merde, maintenant je connais. Genre, que lui c'est un méchant, qu'elle c'est gentil, qu'il y a des enroules d'histoire d'amour, patati patata, tu vois. Je définis. Hein? Putain, les motards, dégagez, putain, les motards de merde! Cassez couilles, les motards! Non! Putain, mais attends, il y a 50 mangas, enfin, 50 mangas, 50 motards dans ma rue, dégagez! Bon, bah, les gars, ah oui! Bon, bah, pas besoin de vous dire que je compte jouer. Il est quelle heure? Il est 18h! Allez, on va faire un petit live de 6h sur Darling in France! En plus, il y a 20 personnes, c'est pas dégueu, hein. On va pouvoir s'amuser. Bon, par contre, à ce que j'ai compris, bon, normalement, il faut des groupes, il faut des duos pour contrôler un Gundam. Si c'est comme dans le manga, hein, parce que ça se peut que, voilà, c'est un peu chaud de faire un Gundam dans Guys Mode, du coup, il y a moyen que c'est genre une personne par Gundam. Ce qui serait un peu chiant. Mais je me dis, s'ils ont réussi à faire un addon pour faire des Gundam et qu'on contrôle le Gundam à deux, personnellement, je suis intéressé. Hein. Après, il y a tellement moyen de faire ça, genre. On pourrait faire un truc à mon avis comme ça, genre un Gundam, genre un véhicule Gundam qui bouge, qui marche, bref, comme d'habitude, hein. Il y a Warhammer 40 000, il fait ça par exemple, avec les sentinelles, mais après voilà, c'est pas la même chose. Ça serait trop bien, genre qu'il y a un Gundam, un addon Gundam, où un gars monte, c'est-à-dire genre la fille contrôle les jambes, c'est-à-dire se déplace, saute, se déplace, et que le gars tire, vous voyez? Genre, vous voyez qu'il y a deux fonctions comme des hélicoptères, hein, clair, hein, tu vois, dans les hélicoptères de combat, il y a un gars qui conduit et l'autre gars qui commence à tirer. Missiles, tourelles, bref, t'as compris. Ça pourrait être cool. Après, ouais, je dis ça, mais je suis pas développeur, je suis pas. Ah oui? Ah oui, je termine ma phrase, je suis pas développeur, voilà quoi, je suis pas un gars qui fait des sous, même si j'ai tenté, hein. Enfin, j'ai tenté. Quand j'ai voulu développer, enfin, quand j'ai voulu voir comment on fait pour développer des addons, ouais, quand j'ai vu les lignes de code de taré qu'il y avait, je me suis dit bon. Et en plus, que la grosse partie des trucs, des tutos, c'est en anglais. Moi qui suis pas une flèche en bilingue, je me suis dit, ah, tu sais quoi, retournons voir des mangas. Retournons voir des mangas. Mais par contre, j'ai tenté de faire des player models. Je me suis dit, eh, tu sais quoi, on va faire des player models d'animé. Et je me suis dit, bah, c'est pas, ça peut être, ne pas être con. Hein, genre, bon, après, je crois qu'il y a déjà un skin, un player model de Darling de France, de Zero Two. Mais après, les autres personnages, je pourrais faire d'autres personnages, des personnages secondaires, plein de trucs comme ça. Vous voyez, qui pourrait être cool. Mais après, je me suis dit, bon, tu sais quoi, quand j'ai mis Blender pour regarder comment ça marche, Blender, ouais, quand l'interface de Blender il est apparu, je me suis dit, ah, putain, trop compliqué. Pourquoi tu live pas sur Twitch? En fait, une fois, je t'explique, Samuel, j'avais tenté de live sur Twitch, mais j'avais bugué, en fait. Enfin, pas bugué. Quand je dis bugué, c'est pas que mon PC avait crash, c'est que dans ma tête, ça a bugué, tu vois, genre, ça fait je me suis dit, oh, putain. En fait, pour t'expliquer, j'avais déjà commencé à faire des lives sur YouTube, et après, à un moment donné, mes cousins et mon frère ils me disent, ouais, mais pourquoi tu ne laves pas sur Twitch? C'est mieux de faire des lives, parce que moi je fais que des lives. Hein. Si vous remarquez sur ma chaîne, il n'y a que des lives. Très très. Enfin, même. Ah, non, j'ai fait. La seule vidéo que j'ai mise, c'était une vidéo sur Monster Hunter, mais c'était au tout début de ma chaîne. Et du coup, en fait, quand je suis allé sur Twitch, j'ai vu Twitch, bon, c'est pas si compliqué. C'est juste que j'avais déjà une routine. Ça veut dire que j'avais déjà fait 20, 30, 50 vidéos sur YouTube en faisant des lives. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'ai déjà commencé sur YouTube, donc gros, continuer sur YouTube, quitte à laisser Twitch. Après, je me suis dit, ma tante, de temps en temps, je me dis, hein, comment ça aurait pu se passer si j'aurais fait des lives sur Twitch? Déjà, je vous aurais pas rencontré, parce que je vous ai rencontré sur YouTube déjà. Est-ce que tu penses un jour que tu créeras un serveur sur Gmod, un serveur manga RP? Je t'avouerai, j'ai eu l'idée, hein. Enfin, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée pour un fantasy RP, un manga RP, ouais. Mais après, il faudrait trouver un manga RP que personne n'a jamais fait et que tout le monde connaît. Genre un petit Baki. Vous voyez, genre le Baki, c'est le truc de combat. Ça peut être cool, ça, en vérité. Un serveur Baki avec des tournois de combat. Et genre, les gars, ils se baladent dans la rue.
Ils se battent, on fait une map personnalisée où genre il y a un truc de karatéka, enfin un truc, un dojo, un truc de boxe, une salle de muscu, on fait une grande ville avec une zone avec un gros stade pour des tournois, avec plusieurs tournois, c'est-à-dire plusieurs stades de tournois, comme ça genre il y a plusieurs tournois, genre il y a le gros tournoi All-Star, il y a les petits tournois de rue, bref, t'as compris. Il y a même des zones genre avec des parcs avec, en mode tournoi, tu vois, genre en mode les gens ils se rassemblent là pour faire des combats illégaux, ça peut être cool en vérité. Salut Sweetie, comment tu vas? Pour t'expliquer, Sweetie, on est en train de parler de. On est en train de parler de les trucs que je pourrais faire plus tard. Hein. Genre, moi par exemple, je voulais développer à un moment donné dans ma vie. Enfin, à un moment donné dans ma vie, ouais, on dirait que je fais une biographie. À un moment donné, moi je voulais. Il n'y a pas longtemps, je voulais développer, c'est-à-dire faire des addons. Mais quand j'ai vu qu'il fallait faire des codes et que les codes, voilà quoi, je me suis dit, bon, non. Je voulais faire des player models un jour. Et j'ai vu que les player models c'est pas ouf et qu'en plus j'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait. Enfin, les codes, il y a des gens qui pouvaient m'expliquer, mais c'était un peu compliqué, voilà quoi. Et pour faire les player models, ben, j'ai téléchargé Blender, mais Blender, quand je l'ai vu, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à faire. Les seuls tutos que j'ai vus, enfin, il y a un tuto qui développe bien, mais bonne chance, 40 minutes, voilà quoi. Et l'autre tuto que j'ai vu, un gars qui faisait rapidement un truc qui était pas mal en plus, mais il explique pas en fait, il fait, il montre, il monte, il monte, il monte, mais il dit pas ça sert à quoi, comment on fait pour faire ça, donc voilà quoi, on est fuck hein. Et là maintenant on vient de parler d'un serveur que j'aurais pu ouvrir, enfin que j'aurais pu, que ça me dit bien d'ouvrir ça, tenter de voir s'il n'y a pas des gens qui seraient tentés pour créer un serveur comme ça. Bah, après si tu veux savoir le manga, ça serait Baki, je sais pas si tu vois le manga de combat, avec le gars qui s'y bat ça. Ah ouais, Baki, vous savez que Baki, même pas. Baki, je l'ai même pas encore vu, hein, putain. Je dis d'ouvrir. Je dis, je suis là en train de penser à ouvrir un serveur, j'ai même pas vu le manga. Pourquoi tu as choisi le format live? Développement Seigneur des Anneaux. Ah, Seigneur des Anneaux, j'en ai déjà vu, hein, des Seigneurs des Anneaux. Des serveurs Seigneurs des Anneaux. Après, ils étaient pas ouf. Pourquoi tu as choisi pourquoi tu as choisi le format live? Ben, j'ai choisi le format live parce que c'était simple. Tout simplement, enfin, comment dire, je suis pas une flèche, hein, les gars, je suis pas un gars qui développe. La preuve, dans mes lives, même dans les réductions de live, j'ai pas fait énormément de montage, hein, dans ma live. Hein. Le seul montage que j'ai fait, c'était au tout début de ma chaîne, mais c'était juste des intros nuls, entre guillemets. J'ai voulu faire des intros pour ma chaîne, mais elle était pas ouf, hein, tu vois. Là, maintenant, je pourrais retenter de faire des intros en m'aidant avec mon frère qui connaît un peu plus de trucs sur le PC, avec des gens que j'ai rencontrés sur Discord. Je pourrais, hein. Mais ça a l'air assez compliqué. Et sinon après, ben. Après, c'est pas que j'ai jamais essayé, hein. J'ai déjà tenté de faire des intros, hein. Enfin, de faire des montages sur ma chaîne, hein. De faire des vidéos montées. Une fois, je voulais faire quoi? Moi, par exemple, je voulais faire un best-of. Je voulais faire le best-of 2019. Enfin, best-of 2020, 2000... Ouais, je voulais faire le best-of 2019. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait en 2019. Une vidéo de genre 20, enfin 10, 20 minutes avec des best-of. Genre... Moment où je me fais tuer, moment où j'ai peur parce qu'il y a un monstre sur un jeu de survie qui m'attaque, moment où je fais une putain d'action en tirant sur plein de gens, en tirant au sniper à 100 mètres, tu vois, j'aurais pu faire un best-of, tu vois, un truc marrant, tu vois. Mais quand j'ai voulu voir comment on fait, ben, j'ai tenté, et petit à petit, en fait, j'ai pas le logiciel pour, parce qu'il est payant. En fait. Ça m'a fait rager parce que, en fait, tout ce que j'avais fait sur le logiciel, je pouvais pas le faire tant que je l'achète pas. Et le logiciel coûte 29 euros, tu vois, par mois. Enfin, genre, c'est bon, genre, casse pas les couilles, c'est bon. Quand on va continuer les lives, c'est bon, tu vois. Le moment où tu rages. Ouais, c'est ça, en fait, sur League of Legends. Mais après, sur League of Legends, sache que j'ai déjà fait pas mal de moments intéressants. Hein. Une fois, j'avais même fait un triple kill. J'avais tué trois gars. Ah, moi, tu sais, bon, après, il était 5 sur moi, donc je me suis fait tuer, c'est avec Mordekaiser. Mais avant, je faisais des bonnes parties avec Mordekaiser. C'est juste que j'ai perdu la main à force de pas jouer. Mais bref, là on va attendre que le serveur Dying of Ranks se lance. Isanami, c'est qui? Isanami, c'est un joueur. On va attendre que le serveur Isanami Dying of Ranks se lance. Et on va pouvoir jouer sur Dying of Ranks. Désormais, tu es mon Darling. Il n'y a pas la musique en parlant de ça. Ah si, il y a une musique, normalement, je l'entends pas. Bizarre. Ah, peut-être qu'il faut télécharger la collection une première fois pour l'entendre. Mais bref, voilà. J'ai trop hâte de jouer, que je joue sur Dying of Ranks. Ah, merci. Content que toi aussi tu as ma. Que toi aussi tu es en mode. Vas-y, go, on joue, go, let's go. Let's go, ouais.
Non, c'est bon, ouais, ça fait plaisir, ouais. Après, ça fait toujours plaisir, hein, t'sais, mais même si en soi, là, ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent et autres, bah, ça fait toujours plaisir que vous regardez, hein, tu vois. Genre, moi, perso, je m'en fous, hein. Qu'il n'y a pas 1000 gens qui regardent, qui me regardent en like, qu'il n'y a pas 25 personnes, qui y a déjà beaucoup qui me regardent, je m'en fous. Moi, c'est juste un hobby, hein, tu vois. Genre, je suis pas là pour devenir youtubeur, hein, tu vois. La preuve, je fais des études de chauffage, tu vois. Genre, c'est pas vraiment un truc qui se passe dans la vidéo. Dans tout ce qui est vidéo, tout ça, tu vois. C'est un petit hobby que j'ai à côté. Bon, après, perso, si ça monte, je suis pas contre, hein, tu vois. Ça sera mieux pour s'amuser. Et pour se faire des bonnes barres de rire, hein. À me regarder rage, hein? Hein? À me regarder avoir peur? Ah oui, les gars, ça vous dit, une fois qu'on tente un jeu d'horreur, savoir que je vais gueuler, hein. Il faudrait vous préparer des boules de caisse, parce que, putain, si on va sur un jeu d'horreur, je vous dis, les gars. Tu vois, genre 2 secondes après, ah! Ah putain. Bien, bien, bien. Bah, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à poser, hein. Moi, je suis là pour répondre, hein. Allez-y, hein. Ouais, ok. Comment ça, ouais, ok, pour aller à truc d'horreur, là? Allez, les gars, go, allez, go, on fait une petite FAQ. Posez des questions, là. On est bientôt à 200, 200 addons. Allez, encore bientôt. Mais genre, hey, en vérité, 312 addons. Alors soit c'est des player modèles, mais genre, ils ont mis full player modèle. Ou soit, il y a des addons pour faire un Gundam. Mais je pense pas. Mais il y a moyen. Il y a des weapons, ça veut dire qu'ils ont mis des armes. Ah, attends. Ah non, je pense que les Gundam, c'est juste. Je pense que les Gundam, ils vont les mettre en mode. C'est des filles. Enfin, ils vont prendre des joueuses, enfin pas des joueuses, mais des joueurs avec un skin de fille, hein, c'est-à-dire des joueurs qui jouent une fille, ils vont augmenter la taille des filles, genre ils vont mettre genre taille 2, Sky 2, tu vois, genre pour augmenter de ouf, tu vois, et ils vont lui donner une arme en mode vas-y, va te battre. Je pense que ça va être ça. Y'a moyen. J'habite où? J'habite en Belgique, j'habite en Belgique et j'habite dans la région de Charleroi. Je suis Carolo, je suis Wallon, je suis Wallon. Non, après, ouais, non, mais après, là où j'habite, c'est tellement bien. J'habite, je t'explique, hein, j'habite à côté d'une commune, à côté d'épicerie, à côté de boulangerie, à côté de coiffeur, de boucherie. Bref, je suis vraiment au meilleur endroit. Et en plus de ça, je suis à côté de la commune, à côté d'un commissariat, à côté. Mais genre, quand je dis à côté, c'est genre à 1000, 2000, à 2000, enfin, ouais, non, à 2000, 1000 mètres, enfin, non, à 2000 à 5000 mètres, j'ai un hôpital. J'ai un gros hôpital, un gros bordel. J'ai pas loin de chez moi, à 2 arrêts de métro, j'ai un. Comment ça? J'ai un centre commercial et l'hôpital en même temps. Et j'ai un cinéma, donc j'habite vraiment pas loin, en vérité. Et en plus de ça, à côté de chez moi, j'ai des arrêts de bus partout et un arrêt de métro. Genre, je suis vraiment au meilleur endroit. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, ça se passe genre au début de l'année et à la fin de l'année, et ben, il y a la braderie. C'est braderie, ouais, c'est ça, la braderie qui commence. La braderie, c'est les forains. C'est genre, tu vois, les trucs d'attraction qui se ramènent dans les parkings et tout ça. Ou même dans la rue. Et ben, moi, j'ai ça devant chez moi. Devant chez moi, il y a des gens qui se ramènent avec des. Tu vois, les genre. Il y a des fusils à plomb. Ils disent, ouais, venez tirer sur les ballons et remporter un prix. Genre, c'est ça, en fait. Il y a ça partout. Genre, il y a en plus, il y a les commerçants qui se ramènent. C'est super bien, je te dis. Genre, 2 fois par an, j'ai une foire devant chez moi. C'est trop bien. T'es à côté de tout. Ouais, non, ouais, c'est ça, je suis vraiment à côté de tout. Mes parents, ils ont vraiment acheté la meilleure maison. Et encore mieux, à côté de chez moi, juste à côté, le voisin, à gauche de chez moi, ils sont en train de construire quoi, ton ami? Ils sont en train de construire un truc. Ils sont en train de construire une épicerie, genre un night shop, tu vois, les trucs de nuit. Alors là, mon gars, pff, oh là 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 là, ça va être trop bien. Bon, après, voilà, il sait pas encore que je fais des lives. Il sait même que je fais des lives, du coup, ils vont m'entendre à minuit, mode « Oh putain, ouais! Genre, ils vont être là en mode, what? C'est parce que moi, là, je suis les voisins. Bon, allez, hey, 240 gigas, hein. Enfin, 240 gigas, en fait. 240 addons, hein, on est bientôt, les gars. Ah oui, en même temps. Vous savez que. Bon, vous le savez pas parce que je vous l'ai dit à jeudi, à part si. Si, je crois que je l'ai déjà dit en live, mais dès que la PS4 sort, la deuxième version de la PS4, c'est-à-dire celle-là avec beaucoup de place, hein, c'est-à-dire. Je pense que je vais acheter la démar
Enfin, pas la démarter. Ah, je sais pas comment dire ça. Le mot là, il est chaud, mais ouais, la console, quand on n'a pas besoin de disque, ça je vais pas l'acheter. Il va acheter l'autre, c'est là qu'on a besoin de disque. Et la version lourde, c'est-à-dire genre 1 giga, non, 1 TB et 0,5, 0,8 giga, tu vois. Genre 1,8 giga. Non, ouais, bref, je vais acheter 1,5 TB, tu vois. Genre, enfin, pas 1,5 TB, non, merde, 1,5 TB c'est 500 gigas. En clair, je vais m'acheter la PS4. S'il y a une PS4 avec beaucoup de place, genre 1500. Giga, je l'achète direct. Hein. Genre 100, je l'achète direct. Parce qu'en soi, j'ai la thune, hein, en soi. Mais après, à voir quand elle va sortir. Hein. Si elle sort en août, voilà, quand même. Ça va faire chier un peu, mais au moins, j'aurai le temps de me faire des jobs étudiants pour avoir de la thune pour l'acheter. Parce que là, en soi, sur mon compte bancaire, j'ai déjà pas mal. Hein. J'ai déjà 1000 euros sur mon compte bancaire, minimum. Hein. J'ai pas été voir à la banque, mais j'ai travaillé 2 semaines et demie. Donc, ouais, je dois avoir 1000 euros et des poussières, genre 1000 euros 240, 1000 euros 200 euros, tu vois. Et après, j'irai faire quoi? Non, non, et après j'irai faire quoi? En août, j'ai encore un job étudiant, 3 semaines, et en 3 semaines, je vais me faire 1500 euros, donc j'aurai un total de 2700 euros, un truc comme ça, et là, la PS4 elle sort, FIFA 21, enfin pas FIFA 21, non, du coup FIFA normal, hein. Ah ouais, mais il y a aussi FIFA 21 qui va bientôt sortir techniquement, ah ouais, waouh! Et les gars, ça vous dit que j'achète FIFA et qu'on joue sur FIFA? Sur ma chaîne, ça vous dit? Du FIFA sur ma chaîne. Savoir que je suis une quiche hein, sur ce jeu. Si on fait de la live, c'est une, je suis une quiche. Hein. Ça vous va? Pourquoi j'ai fait plus de One Piece RP? Ben parce que ben, les serveurs One Piece RP ils ont fermé en fait. Enfin, Samuel, en fait, je t'explique, sur Gmod, les serveurs ils restent jamais très longtemps ouverts. Et des fois, ce qui se passe, c'est que genre, ils l'ouvrent. Et pendant une semaine, il y a des gens qui jouent, tout ça. Et vers la fin de la semaine, bah, ça descend, genre 30 personnes connectées d'habitude, 20 personnes connectées, 19 personnes connectées, 15 personnes connectées, à un moment donné ça passe, à un moment donné ça descend petit à petit, à un moment donné ça se termine par 5 personnes connectées, et à la fin sur Discord, je viens voir sur le Discord du serveur, ils disent, salutations, on ferme le serveur, à savoir qu'on le reprendra un jour, mais pour l'instant on va se concentrer sur d'autres projets, par exemple, c'est ça en fait. Tu vois, genre, les serveurs ne restent jamais ouverts, la preuve, tu vois, genre, là maintenant sur Manga RP, avant Manga RP, c'était pas très rempli, avant il y avait genre, il y avait 20, enfin pas 20, il y avait 8, 9 serveurs ouverts, tu vois, ou en développement, là maintenant il y en a full, tu vois, mais en fait ce qui se passe c'est que maintenant, bah, sur tous les serveurs qui sont ouverts, maintenant eh bien, il y en a full qui sont vides, parce qu'il y a personne qui vient jouer dedans. Ou que genre des gens sont venus jouer, sauf qu'ils ont pas aimé, sauf que des gens sont venus jouer, mais ils ont vu que c'était pas très bien développé, bref. Ou soit que carrément des serveurs ont ouvert mais qui n'avaient pas de communauté. Parce qu'en vérité, si vous voulez ouvrir un serveur, il faut avoir une communauté. Soit il faut avoir une communauté, soit le manga que vous proposez pour aller jouer, il est bien. Genre, par exemple, tout ce qui est Tokyo Ghoul, One Piece, Naruto, personnellement, je le vois. Moi, je vois ça comme ça. Ça peut être faux ce que je dis, mais personnellement, tout ce qui est One Piece, Naruto, Tokyo Ghoul, bah, vaut mieux avoir une communauté pour aller jouer dessus. Genre, enfin, une communauté, genre avoir une communauté derrière, tu vois, genre avoir fait un serveur Discord, dire ouais, salutations tout le monde, on va bientôt ouvrir un serveur Naruto RP, n'hésite pas à venir jouer, l'ouverture du serveur c'est là, à telle date, nanani, nanana, ramenez-vous, on va jouer plein, et des fois, ben c'est bien, tu vois, genre, toujours c'est comme ça, moi perso, je vois ça comme ça, après ça se peut que c'est faux, parce que ben, j'ai jamais ouvert de serveur, j'ai jamais fait un truc pour ouvrir un serveur, donc je sais pas, mais personnellement, pour moi, c'est comme ça. Mais, comment dire, après, l'autre moyen que ça marche, c'est que si t'as pas de communauté, c'est que le manga que tu proposes, c'est un nouveau. C'est-à-dire que le manga n'a jamais été proposé sur Gmod. Genre là, par exemple, Darling in the Franxx, je suis quasiment sûr, après, je dis que je suis quasiment sûr, mais des fois, j'ai pas joué au PC pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois, donc je peux avoir tort, mais pour moi, personnellement, j'ai jamais vu de Darling in the Franxx ouvert. La preuve, c'est que bon, moi je suis sur Gmod depuis 20 ans, donc enfin 20 ans, je suis sur Gmod depuis 6 ans carrément. Mais quand j'étais sur Gmod, quand j'étais petit, hein, c'est que quand le One Piece RP il était ouvert, je peux vous dire que tout le monde est allé dessus, hein, parce que bah, c'était un nouveau mode de jeu fait sur un manga, c'est super bien. Et la même chose quand il y a des Tokyo Ghoul, des Naruto RP, des Fairy Tail RP qui sortaient à la chaîne, c'était super bien, tout le monde allait jouer. Et quand il y a eu un Owari no Seraph. Là aussi, hein, genre, moi j'étais là quand le premier Owari no Seraph, moi j'étais là même quand le premier serveur One Piece RP il était sorti sur PS4, enfin sur PS4, sur Gmod, enfin sur PC, vous voyez. Et genre, tout le monde allait jouer parce que bah, c'était un nouveau serveur, un nouveau mode de jeu qui proposait un nouvel RP et c'était super bien. Même chose quand il y a eu des Owari no Seraph qui sont ouverts, des gens allaient jouer. Quand il y a eu d'autres modes de jeu, genre Danmachi,
C'est un Danmachi, c'est un autre manga, mais des gens sont allés jouer dessus. Dongarampa, bon, je sais ce que c'est à peu près le jeu, c'est une sorte de Battle Royale, un nom comme ça. Quand il est sorti, bah, des gens aussi sont allés jouer parce que c'est un nouveau mode de jeu. Et là, Darling de Franxx, c'est la même putain de truc. Genre, c'est un nouveau manga que personne n'a fait sur Gmod pour l'instant, je pense. Quasiment sûr, personne n'a été sur Gmod. Et ils se sont dit, bon, c'est quoi les gars, on y va dessus. On va faire un Darling de Franxx, ça n'a jamais été fait. Il y a sûrement des gens dans Gmod. En se baladant, qui vont voir Darling de Franxx, ils vont se dire: ah putain, j'ai déjà vu le manga, il est super bien, go allez, on va y jouer. Et c'est exactement ça qui se passe en fait. Genre, pour réussir un serveur sur Gmod, je dirais, il ne faut pas faire. C'est pas du plagiat. Il faut pas. Comment dire? Il ne faut pas refaire un serveur qui a été fait 500 millions de fois. Genre, il y a des gens qui ouvrent des One Piece RP. Ok, ça peut marcher, mais ça va pas marcher un an. T'as compris? Genre, le premier serveur One Piece qui était ouvert, il a tenu un an, tu vois, quasiment, hein. Je crois qu'il a tenu un an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Quasiment. Et pourquoi? Parce que c'était le premier. Tu vois, genre, il avait l'ancienneté. C'était le premier, tu vois. C'était la référence pour tout le monde. Bon, maintenant il est fermé. Mais maintenant, les gens qui ouvrent encore des One Piece RP, qui ouvrent encore des Naruto RP, des Tokyo Ghoul RP, et tout ça, s'ils n'ont pas une communauté solide, hein, genre vraiment mastoc. Le cerveau il va couler à un moment donné, hein. Au bout d'un mois, 2 mois, il va couler. C'est irrémédiable, ça se passe comme ça, les gars. Hein. Genre, propose un contenu. Si le contenu, les gens, ils ont déjà joué à ce contenu 500 millions de fois, ça va couler. À un moment donné, c'est sûr à 100%, ça va couler. Du coup, en fait, même en fait, pour réussir sur le mode, je dirais, il faut ouvrir un serveur qui n'a jamais été fait, avec un RP pas dégueulasse, et avec des addons, des ressources, des admins, des staffs présents qui vont aider les joueurs. Et si t'as tout ça, c'est-à-dire. En soi, si t'as une communauté, si t'as un nouveau manga RP, un nouveau manga RP, un nouveau serveur manga RP qui porte le thème, c'est-à-dire le manga sur un manga qui n'a jamais été fait sur Gmod, avec une bonne communauté. Alors, je répète mes mots, mais c'est pour qu'on se comprenne. Avec une bonne communauté, avec un bon staff, avec des addons, avec une map personnalisée, des trucs comme ça, le serveur il va vraiment bien marcher parce que c'est ça que les gens veulent. Ils veulent un nouveau mode de jeu. Pourquoi il y a des modes de jeu qui ouvrent tous les jours sur Gmod? Parce que les gens. À un moment donné, ils se. Pas ils se démotivent, comment on dit ça? Ils ont marre de jouer à la même chose. C'est comme si c'est comme si depuis ta naissance, on te donnait à manger que des légumes, et à un moment donné, on te dit: allez, viens, Bobby, on va manger de la viande. Genre là, tu vas être là en mode: ouais, super, tu vois, genre, c'est la même chose. Là, genre, à force de nous donner à chaque fois des Naruto RP, des One Piece RP, des Tokyo Ghoul RP, les gens après, ils sont là, maintenant, c'est bon, on va pas aller jouer. Mais maintenant, quand il y a des nouveaux mangas, genre là, par exemple, Darling de Franxx. C'est sûr, des gens vont venir jouer parce que c'est un nouveau mode de jeu, un nouveau manga. Certains ne connaissent pas Darling de Franxx, du coup ils vont venir jouer sur le serveur sans connaître le RP. Et donc ils vont découvrir le RP comme s'ils étaient réellement dans le manga. Genre, tu vois, ils vont naître dans l'académie. Non, pas, c'est même pas une académie. Bon, ils vont naître dans la ville. Dans la ville, l'académie, bref, dans l'orphelinat. Pas dans l'orphelinat, dans la nurserie. On va leur apprendre: oui, vous êtes des darlings. Enfin, pas des darlings, vous êtes des pilotes, vous devez combattre les monstres, patati patata, pour la survie de l'humanité. Vous êtes en duo, on a déjà fait les duos. Toi et toi avec elle, toi et toi avec elle, toi et toi avec elle. Et go, allez vous battre, tu vois. C'est vraiment ça. Et ça peut être cool en vérité, tu vois. C'est un nouveau RP en fait, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté, les gars. Je fais des cours de philosophie, de manga RP. Je peux aider à ouvrir un bon serveur qui pourra durer longtemps. Ça coûte 50 euros pour chaque visite. Bref. Tu m'as dit quoi? Si tu fais du NPC RP, tu pourras demander le Haki des Rois. Non, je pense pas. Hein, genre là, t'es un peu fumé quand même. Je vais pas demander le Haki des Rois. Mais en plus, je crois que le Haki des Rois, il faut faire un rôle, hein, je crois. C'est un rôle, genre il faut faire un 90 ou un 100, je crois, pour avoir le Haki des Rois. Parce que le Haki des Rois, c'est pas de la merde. Hein. Je pense pas qu'ils donnent ça à n'importe qui. Tu vois, ils vont pas me donner parce que je fais des lives. Hein, en plus, je déteste faire ça. Demander des trucs parce que je fais des lives. Je vais pas venir en mode: bonjour, ouais, tu peux me donner le Haki des Rois, je fais des lives s'il te plaît, ça pourrait être cool pour le live. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire un RP parlant. Et si un jour en RP, il y a une action qui fait que peut-être je peux avoir le Haki, tant mieux. Mais c'est pas en mode: bonjour, je m'appelle Ito Mashida, j'ai le Haki des Rois. Comme ça. Genre, non, personnellement, moi ça me dégoûterait, tu vois, genre, d'avoir tout. D'avoir toutes les techniques comme dans les héros de manga, des fois. Attends, dans les mangas, il y a des héros, genre c'est One Punch Man le bordel. Ils sont super forts, ils défoncent les méchants, ils te butent tout le monde. Je pense à Harry Futa, où il y a d'autres mangas comme ça, ou même One Punch Man par exemple. Et personnellement, moi j'aime pas trop quand même devenir un personnage comme ça dans un manga RP. Devenir un mec super badass qui défonce tout le monde.
Bah non, moi j'aime bien avoir un peu de stress, tu vois. Sinon c'est nul. Bon, j'espère ne pas vous avoir perdu en faisant ce cours de philosophie, putain. Ah putain, ce cours de philosophie. Il dure combien de temps le live? Putain, déjà 1 heure. Bon, ça va, hein. Bon, ça, on va continuer. Bon, les gars, je vais vite fait me mute. On va vite fait aller chercher un truc à manger, aller aux toilettes, patate patata, hein, vous savez. Pourquoi pas aller me chercher une glace? Bon, bah, merde, on va faire savoir, mais bref, on va aller chercher une glace, je pense. Et on se retrouve juste après. Bon, là, on va rejoindre le serveur, vous inquiétez pas, les. Voilà, quoi. Donc, ciao, ciao, bisous. Enfin, ciao, bisous, à tout de suite, hein, dans quelques minutes, hein, d'accord, hein. Partez pas, hein, partez pas, hein. Partez pas, hein, j'ai une arme sur vous là, c'est un prise d'otage. Salut, salut, ouais, salut, je suis revenu. Alors attends, attends, franchement, change des fois, il faut pas que tu. Hein? Que tu, pas tout le monde, que tu sois le plus fort. Non, ouais, c'est ça que j'ai dit. Je déteste être. Enfin, pas je déteste, mais bref, vous avez compris, j'aime pas être toujours le gars à être en mode bonjour. Bon, mon nom. Le nom, il faut pas mettre un Charlie ou un zéro trou, bref, je sais pas. Mon nom, ça va être Charlie. Charlie Go. C'est quoi Charlie Go? Merde, Charlie, c'est avec un. Ah merde, putain! Voilà, non, merde, Charlie,
Charlie, ça va être à eux ou pas, les gars? Bon, je sais pas. On va mettre Charlie. Charlie, Road Race. Charlie Race, c'est bon. Français, c'est bon, ciao. Bonjour, t'es nouveau ou c'est qui? Merde, j'ai pas pris le. C'est bon, cet HUD, tout le monde le prend? Oh, ouais, ils ont fait des Gundam. Big Zam. Hein? C'est un ennemi ou c'est un gentil, lui? Ouais, c'est ça, en fait, ils nous prennent, ils nous donnent un skin. En fait, ils nous donnent un skin, après ils nous disent quoi? Ils nous regardent, ils nous disent, bon, bah, va te battre. Ah, ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est clairement ça. Bonjour. Ah. Non, vite, vite, mon pote. Oui, bonjour, oui, je suis là, oui. Oh! 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 Oh là là! Oh! Mon dieu, attends, viens, viens ici! Viens, viens, viens! Oh là, c'est rare, mon dieu. Attends, ça me pousse. Oh mon dieu, nous sommes liés pour le destin! Oh, viens par ici! C'est trop serré! Oh mon dieu, on est liés par le destin! Attends, je suis dans. Attends, je suis en train de faire un écran vide. Attends, deux secondes. Non, moi, je suis en live, moi, en attendant. Oh là là! Eh, Shiro! What? Mais Shiro? C'est quoi ce bordel? Hurleur, vous devez convoiter l'énergie du magma. Voilà, c'est ça! Voilà! L'énergie magma, c'est le truc qui trouve en profondeur, qui sert à faire en sorte que l'humanité devienne immortelle, construire des gros trucs, permettre de piloter des Gundam, bref, voilà. Que les humains vous piquent, voilà. Vos principaux ennemis sont les humains et les virmes. Ah oui, les virmes. Oh ouais, ils ont fait les virmes. Oh, trop bien. Oh, non, j'adore. Oh, j'adore. Votre but est de conquérir la Terre par tous les moyens. Infiltration, assaut, etc. Tout le monde sont vos ennemis hors votre camp. Ouais, mais attends. Ouais, hors votre camp, mais de base, les virmes, ils essayent d'éviter de faire mal aux êtres vivants, non? Humain, vous devez respecter les volontés de papa. Il décide de votre futur, vous devez défendre à tout prix les plantations des hurleurs. Et moi, certains me demandaient, est-ce qu'on devient pas un monstre là? Un hurleur? Ouais, moi je deviens un hurleur direct. Adulte, votre devoir est d'aider les enfants à s'améliorer. Vous avez le choix entre scientifique, garde, tout ce qui essaye de toucher aux plantations sont vos ennemis, défendez-les. Ouais, mais les adultes n'ont pas de Gundam, c'est que les enfants. Shiro. Oh, mais attends, Carl Ferry. Ah, Carl Ferry aussi, je le connais. Shiro, regarde-moi dans tes yeux. Loin, très loin. Oh, il y a la carte. Oh, on a une carte, sérieusement? Ouais, bah après la carte, c'est la carte du vaisseau. Ah ouais, c'est une nouvelle map. Ah ouais, waouh. Ouais, nouvelle map, montre. Ah ouais, putain. Au début, moi je pensais que c'était une carte prédéfinie, mais non, en fait, c'est pas une carte. Ah si, je vois, c'est la carte de l'autre. Il y avait un serveur, je crois que c'est ça. C'est le serveur. Il y avait un serveur Star Wars RP qui mettait cette map là, je crois. On est dans un bâtiment. Ah, mais what? Ah, ok, il faut réapparaître, ok. On peut choisir quel truc on est? On peut choisir, genre, entre virme. Ok, ça, c'est adulte, papa, scientifique, patite, patata, garde ça. Les réparateurs, c'est ceux qui réparent les animaux. Enfin, les animaux. Les parasites, c'est quoi? C'est les Gundam, moi, je crois. Je pensais que c'est ça. Ça, c'est des... Ah oui, c'est les hurleurs, ça, c'est les méchants, du coup. Les Nines, c'est l'escouade spéciale, c'est les meilleurs pilotes de Frank. Alpha, je crois. Ouais, Alpha, quoi. Alpha, c'est ça en plus. Alpha, c'est un personnage dans Dying of Frank en plus. Les soldats, c'est ceux qui s'occupent, je pense, des trucs, hein, normalement. Et après, on a ça. Les viandes, les aliens. Hein, Zero One, hurleur. Ouais, Zero One Hurleur, c'est plutôt le proto. C'est quoi encore le nom des hurleurs? Ouais, un proto-hurleur, je crois, hein, quoi? Manu, proto-hurleur.
Proto-hurleur, c'est ça le nom? Bon, bref. On peut devenir ça ou pas? Oh non, il faut. Non! S'il vous plaît, je deviens hurleur, on va attaquer les humains, s'il vous plaît. On va appeler les dieux. S'il vous plaît. Ah, attends. Oh, attends, il y a un gars qui fait des lives, regardez. Kagawa. Et il est VIP déjà. Kagawa. Nani? Bon, bref. Bah, écoute. Alors, vous appelez, hein? Oh, il y a zéro tout. Alors, moi, je admis bien, s'il vous plaît. CTP. Voilà, on va demander aux admins s'il y a moyen que je devienne hurleur quand même. Parce que ça serait quand même bien. Après, je pense pas. Je pense qu'ils vont dire non. Oh, Mokiro, je l'ai déjà vu quelque part. Enfin, cette. Ah merde, ça là, putain, cette photo de profil, j'ai déjà vu. C'est Doc, je pense. Oui, quoi, Bonjour! vous Ouais, demandez wesh! t'inquiète pas, j'appelle tout le monde. Ouais! Je voudrais savoir, je viens d'arriver sur le serveur. Ouais. Dans le RP, on est où? Ouais. Enfin, par rapport au serveur. Par rapport au manga, en fait. Manga. On est au Ouais. tout début ou. Bref, oui. Je voudrais te demander un truc. Ça pour savoir si je peux devenir ça. Bah oui, t'as le droit. Mais vas-y, je vais devenir hurleur, moi. Je défends ma planète, wesh. Vous voulez pas me piquer de magma? Mec, je te mets la waitlist du Conrad et après tu pourras y aller. Merci. Et après, tu verras, c'est très court, mais rappelle-toi que j'ai fait ça en même pas 2 heures. Ça va, hein, c'est pas beaucoup. J'ai envie de me frapper contre le mur. De quoi? Tu parles de rejoindre le serveur? Ouais, je viens, attends. T'as pris 2 heures pour rejoindre le serveur, putain. Moi j'ai lancé il y a 10 minutes le Ouais, je truc. viens de rejoindre le serveur. Hein. Ouais, putain. Du coup tu vas faire quoi toi? Tu vas Je suis faire en grand doute parce que c'est le RP qui me correspond. Tu vas faire quoi toi? Tu vas faire Worms humain? Faire Nine. Je vais tenter d'être Nine. Nine c'est quoi encore? C'est un alpha? Enfin, un alpha c'est un homme des alphas? En gros, c'est des humains, mais version bien. Bah, ils sont beaucoup plus performants, entre parenthèses, que les normaux. C'est compliqué à dire. Ouais, je vois, c'est les squads spéciales. Ouais, Même qu'ils ont défoncé les gars pendant le manga quand ils ont fait le mariage là. Ils ont défoncé zéro tout au combat. Bien. Ouais, non, t'inquiète pas. Il y a pour les robots. Il y a trois classes dans Hurler. Il y a la classe mixte, la classe corps à corps et la classe. Attends, tu peux répéter parce que j'ai entendu un ting 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 comme ça. Ok. Classe tireur, classe corps à corps, classe mixte. Et donc, j'imagine que si on prend mix, on aura du corps à corps et du dégâts à distance, mais pas très off. Enfin, pas très fort. Et si on prend dégâts, on a plus fort ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Tu me proposes quoi? T'as raison. Moi, clairement, je suis pas très, comment dire, objectif sur les deux. Vu que je joue, j'aime bien jouer au corps à corps. Mais clairement, niveau dégâts, si tu veux faire des dégâts sans te faire toucher, des max dégâts, je te conseillerais tireur. Et c'est rapide ou pas? Enfin, est-ce qu'on est lent comme un tank? Attends. Ah non, je suis con, ouais, en tout ça, on spawn et on est un gros robot, de toute façon, ouais. Enfin, un gros robot, on est un gros monstre chelou. Eh, Pardon, Shiro! on a quand on sortira, vu que Eh, t'as pas été Shiro! Je vais cash, te tu veux, tuer, on hein! va Eh, prendre un skin pour. touche pas mon magma, Trop nul là, t'es éclaté là, qu'est-ce que tu tais-toi, eh, fous? Conrad! Eh, je vais tous vous défoncer là! Déjà, les gosses, ils vont sortir, je vais les défoncer! Le Conran c'est le plus Éclaté bas. au sol. Ouais, c'est C'est bien, le petit t'as de toutes les tous chances, hein, là-bas. je suis à distance. Le tireur il tire certes rapide, mais les premières armes sont très peu de dégâts, mais la dernière il fait des dégâts monstres. Voilà. Et en mix, on est d'accord, c'est un peu un Classe mix des tireur. deux du coup. Voilà, un peu des mix des deux, mais avec des armes différentes. Et du coup, ça fait pas ouf dégâts, vers la fin ça commence à mieux aller, c'est ça? Si je comprends mieux. Voilà. Je Disons que proche. les armes au début font pas très peu de dégâts. Là, je vais prendre mix, c'est pure stratégie. Je préfère Ok. avoir un peu d'attaque et de distance.
pour pas être la merde s'ils arrivent au corps à corps. Mlay 77. Je vais t'appeler 77 toi parce que Mlay, je sais pas comment on dit, c'est Mlay. Mlay, ah merde, ça veut dire bien, non? Mlay. Mais bref, je suis nul en arabe. On n'entend rien qui parle. Quoi, ça va? Ah merde! Prends le roi hurleur, les gars, dites pas, prends enfant. Yo, 77, comment tu vas? Attendez, du coup, les gars, je vais relancer le live parce que tous les coups, vous m'avez dit que vous n'entendez pas le son, c'est ça? Merde, c'est fichu ça. Ah, ça fait grachi. Attends, j'essaye. Pour voir si on les entend en fait. Mais si on les entend! Bande de mythos! Ouais, clairement. Mais si, vous les... Hey, les gars, on les entend, hein, bande de mythos là, augmentez votre son là. Ouais, je viens sur le live, je mets le son à fond, j'entends le mec parler. Oui, c'est bon, je suis là. Oh putain, y'a plein de gens! Oh oui, c'est Neko! Dans l'autre, comment ça s'appelle, putain? Dans Paladin. Enfin, Paladin? Paladin, non? Ouais, c'est Paladin. C'est un signe de Paladin, mais je sais pas si c'est con encore. C'est une Il a femme. encore les armes du Fairy Tail. Aïe aïe aïe. Monsieur, cette personne a les armes du Fairy Tail. Vite, agissez. Non, je crois que c'est les armes du Fairy Non? Tail. Bonjour. Ah oui, du coup, Non? c'est bon, je peux y aller, hein, c'est ça? Ah oui, et le nom? Oui, vas-y, va Ah en non, je avant. dois prendre un nom alien ou c'est comment? Non, tu t'en bats les couilles, tu t'en bats les couilles, n'importe lequel. Toi, si tu t'en fous. En tant que moi, si tu t'en fous. Du coup, pas que j'ai humain en attendant. Crac. Donc je vais mettre humain. Cracknator. Cracknator. Faut que je mange, je Voilà, je prenne, prends. j'en ai mon nom de famille. Cracknator, Pourquoi j'ai allez. un nom de famille? Nin, eh Shiro, je t'attends, hein. Je vais te défoncer. Let's go. Oh les gars, hurleur, let's go. Ok, let's go. Let's go. Ok, il faut un skin. Les skins d'hurleur, c'est lesquels? Parce qu'il y a des skins de robots, mais les hurleurs, c'est des aliens, du coup, je sais pas. Ah, ça va être ça, du coup. Il faudra prendre un skin comme ça. Oh les oh, oh, oh putain, il y a beaucoup, oh, il y a beaucoup de skins. Ah ouais, je vais prendre cher, moi. En vérité, je vais prendre cher, je vois. C'est pas ça, on est d'accord, c'est pas ça qu'il faut que je prends. C'est ça. Ouais, mais c'est pas ça, si. C'est ça, le skin que je dois prendre. Je sais pas quel skin prendre, j'ai pas envie de prendre des enroules. Parce qu'après, j'ai peur de me faire enculer. Par les amis. Oh putain. Laissez-moi voler! Ah oui, du coup, attendez, on va tester les armes, première personne, let's go. C'est le give ammo. On va tester le give ammo pour voir. Nice, 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 nice! Merde, ça s'écrit pas? Wesh, mais c'est quoi ce bordel? Bon, bref. On va se prendre un peu de munitions du coup. On va prendre ça. Et ça, c'est au corps à corps? Sérieux? Slash. Ah non, merde, c'est slash give du coup. Mais j'ai déjà. J'ai pas mal de munitions donc c'est pas grave. Je sais pas si la taille est normale. Alors là, je crois, c'est pas par là. Je crois que c'est pas par là. Hein. Je suis pas sûr. T'es mal, je ressemble à quoi? Oh, en vérité, ça passe pas mal, hein. On m'a rappelé une dernière fois la mine pour lui dire si ça passe. On va lui dire encore de venir. Yes, je suis là, je suis là, je suis Bonjour! là, je suis là, je suis là, Bonjour, je suis là, Zero je suis Two, là. bonjour! Est-ce que c'est bon ça comme skin? Salut! Est-ce que c'est bon? Attends.
On va dire que j'ai dû. J'ai voulu. Oui, parfait. J'ai pris bleu parce que bah on est bleu. Et on est d'accord, Ouais. les rouleurs ils volent pas, hein. Parce que. Non, pas forcément, mais si tu veux, je peux te mettre le fly swap et je te scale comme ça, t'es tranquille. Oui, si tu veux bien me faire ça. Merci. Vas-y, je te give le fly Ah, swap en et même temps, ah oui, en même temps. est-ce que t'as vu tes. Oui, quoi? Vas-y. Mes armes, oui, j'ai eu mes deux armes. Ah oui, je voulais vous dire, les gars, je vous jure, merci de m'avoir donné un dying de francs, merci! T'inquiète, BG, t'inquiète. Putain, enfin des gens qui ont compris qu'il fallait pas faire comme les autres, putain. En fait, on a compris qu'il fallait pas faire un TKG, quoi. Mais ouais, mais les gars, ils nous donnent que ça, donc à un moment donné, tu vois, genre. C'est comme la bouffe, tu vois, genre, tu donnes des légumes à un gosse à un moment donné et il la rend mal, tu vois, genre. Ouais. Ah, attends, bouge pas surtout parce que je vais te scale. Je vais Ah te oui! scale combien? 3 ou 4, je sais pas. Merci, hein. Sache que je suis en live, moi je suis en train de faire un petit live là sur le serveur pour faire un peu de pub parce que putain, moi j'ai grave envie que celui-là il marche, hein. Ah bah t'inquiète, t'inquiète, Wow, tout marchait. Là au moins tu peux t'amuser. Bon, je t'avouerai que j'ai. là bon, Attends, là y a pas. si tu vas devoir te battre contre quelqu'un, ça va être moi. Y a pas. Attends, Quoi? excuse-moi, attends, y a pas moyen de changer la troisième personne, genre de faire en sorte que la troisième personne soit beaucoup plus loin que le personnage? Tu vois, si tu vois. De faire en sorte que la caméra soit haute en Ça. hauteur. Parce que non, il y avait ça normalement. On peut. À part. Ah ouais, c'est avec le Simple This Person, mais ouais, tu peux pas. Merde. Tu peux pas vu que t'es. Ah, vu que le troisième personne est dans un autre menu C. Ah, désolé, ça par contre, ça mec, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ah, ok. Désolé. Et c'est la taille, ça, c'est la bonne taille. Ça. Sorry. Ah, ok, Ouais, bah t'inquiète. après, je peux te mettre plus grand à la limite. Bon, Oh non, pas plus j'allais grand, plutôt te attends, mettre plus grand déjà, limite, ça va moi, plus. moi je vois mes yeux déjà. Après, genre là, si tu dois te battre contre quelqu'un, ça va être que contre moi là pour l'instant. Ouais, parce que les autres, c'est des gosses en fait, là, c'est encore des enfants dans la nursery, si je comprends bien. Enfin, à part s'ils ont Ouais, déjà leur là Gundam. pour l'instant c'est. Ouais. Ah oui, À limite, ouais. attends. Bon, si t'as envie, je veux pas faire une attaque sur la ville, hein, quand même, si. Genre. Bon, Les fais ce que tu gosses! veux, t'inquiète. Les gosses, ils vont pas arriver, putain. Ah oui! Retiens bien mon nom, Zero2, je m'appelle Kraknator. Et on touche pas au magma! Oh Des là là, hurleurs! Kraknator, je suis 02, je suis code Oh 002. non! Fuyons! C'est la tarée, c'est la folle! Et Ah! dites que genre là pour me défendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait à lui? Mais qu'est-ce que tu voulais à toi? Là pour te détruire. Oh ma Mais puissance. non! Mais non! Prends le Conrad! Là tu peux pas là! Proto-Hurleur c'est le plus putain, tu peux Ah merde. pas! Ah merde. On n'est pas à la fin du manga là. On se demandait quoi? Le cerveau vient de commencer, il y a des enfants en face. Genre. Ah bah en Il vrai, pourrait hey, toi six. ça faisait deux. On est trois. On est trois. Oh Attends, oui. je te mets à waitlist. Salutations, salutations. Ah. T'es un hurleur, un Conrad? Ah, c'est bon, ok, tu m'as fait peur quand même. Viens, mets-toi en monstre et allons combattre! Un gros gros, un gros gros! Putain, le bâtard. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez vos armes d'hurleur? Ouais. T'as pas vos armes Ferme ta gueule, clown, moi j'ai pas les armes du hurleur qui vient me. En train de travailler, enculé. Eh! Menteur, gros menteur, t'étais pas en train de travailler, t'étais en train de te branler. Si! Non, pas du tout, tu veux Non. savoir ce que je Et oui, faisais? t'es pas mentalement. Allez, dis-moi. Là maintenant tout de suite je te dis que bah, j'étais je sais pas quoi Wars ou je sais pas quoi là de mon cul. À la base j'étais ça, j'avais. Allez, on va partir un peu là. On va faire un petit tour, on va faire un petit tour, on entend dire pas zéro tout. Fly swap, let's go. Ah mais c'est celui-là, ah ouais. Ah merde, ok. Ah ouais, je sais. Ah! Non! On est gigantesque, fils de pute. On est vraiment gros. Allez, vole, putain! Je sais pas comment ça marche. Il faudra que je demande.
Non, c'est pas crash, non. Non, le jeu a crash, non, non. Le jeu a crash, le jeu a crash, non. Ah. Non, non, non. M'attaque pas, non. Y'a mes décolles à ça, y'a mes décolles à ça. Vole toi, allez. Je sais pas comment ça marche, genre. Il faut s'appuyer. Ah, aussi, on dirait que quand je vais s'appuyer, ça va plus vite. Il y a une femme qui m'a vu. Je suis quasiment sûr qu'il y a une femme qui m'a vu. Hein. C'est où les installations, par contre, je sais pas, c'est où. Allez, vole, allez. Je sais pas comment ça marche. Je vais essayer d'y appuyer pour voir si ça marche comme ça. Non, il faut marteler, il faut marteler. Je sais pas comment ça marche, allez. On va marcher un peu. Mais sinon la taille. Ouais, je suis vraiment gros. Par contre, je suis pas très rapide. Ok, pour voler, bien, il faut sauter et cliquer en même temps. Comme intérêt. Pourquoi je descends? Allez, vole! Allez, vole! Faut que je demande un ami en fait. Ok, 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 ok. Installation? Installation ou pas? Bonne journée. Ah bah en personne m'a dit attaque. C'est bon les gars, je suis pas. J'ai pas crash. Mais sous les installations de magma, je comprends pas. On peut en va attaquer la vie, c'est quoi. J'en ai marre d'attendre. Ah vol, vol là, pourquoi je descends. Vol, vol. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai touché mes machines. Okay. Merde, j'ai pris des dégâts. C'est chier. On va éteindre notre lumière parce que. Tu vois, il voit une lumière de loin. Et je crois que les enfants ils sont là-bas. Ils sont dans... ah, ils sont là dans les maisons là. Regarde par la fenêtre en plus, il met. Ah non, ils sont là-bas, je dirais. D'un coup, j'ai plus envie. J'ai plus trop envie d'attaquer moi d'un coup, il y a zéro tout. Non, on va faire un slash à nous. Ah ouais, slash à nous, il marche. Non, on va faire slash à nous. Une pompe. Une pompe à magma, une pompe à magma, une pompe à magma. Ne réagis plus. Ne. Attends, on va mettre. Ne réponds plus. Ne réponds. Ne réponds plus. Ne réponds plus. Voilà. Ne réponds plus. Une pompe à magma ne répond plus. On est vu. On peut se faire voir d'ici ou pas. Parce qu'on est assez gros quand même. Ah ouais. Non, ça va en vérité. Il fait nuit. Du coup, je pense que les gens ils nous voient pas à moitié. Ou ils nous voient, mais voilà quoi. Merde. Ils ont tout. Elle va partir avec son rendez-vous. Non! Mais les 3000 HP en enfant et les apprentissages ont que. On parle de moi? Bizarre. Mais putain, techniquement, je sais pas c'est quoi les pompes. Y'a pas de pompe, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pas trouvé d'endroit. Du coup, on va rester ici. Et quand elle va partir, on va la suivre. On va l'attaquer. Ça va être ça. Bon, j'avais pas vu. Y'a des arbres ici. Je viens de le voir. Ah, tout du coup, c'est ça les maisons. Thomas, c'est toi? Quoi? C'est numéro 104. Il m'a dit Thomas, c'est quoi? On va mettre non. Non. Non, c'est pas moi. On va regarder vite fait le chat. Non, ça va. Ouais, franchement, on entend rien. Il parle quoi? Ouais, franchement, ça va et toi? Non, prends le roi hurleur si toi, mais pas eux. Un peu. Il faut regarder vers le haut si tu veux voler. Ok, d'accord, merci pour le truc. Ah! Il y a quelqu'un qui a dit non. Tu sois le Sreya.
Pas pour l'instant. Putain, je me rappelle, cette map en fait, elle a été changée. Ah ouais, en vérité, c'est pas mal. Comment elle a été changée pour le serveur. Parce que ici, je vous rappelle, enfin, je vous dis un peu l'histoire de la map. À la base, cette map, c'est une map de trucs. C'est une map où il y avait du Star Wars RP en fait. Là, il y avait les canonnières, je crois que ça s'appelle. Les canonnières, ouais, comme ça, et tout ça, et le reste. Des enfants, il y a des gens qui viennent là-bas pour le Stréaz. Putain, mais. Ah, bordel, bon, on va être obligé de refaire ça. Slash anneau. Ouais, slash anneau. Une autre pompe est endommagée. Endommagée. Notre pompe est endommagée. Ils m'ont vu, frère? Je pense pas qu'ils m'ont vu. Ils utilisent un Sréa? Parce que là, regardez, Théma, ils ont ouvert la porte. Je crois que quelqu'un m'a vu. Hein. Non, ça, ils n'ont pas ouvert. Ils rentrent dans l'hélicoptère. Ils peuvent voler l'hélicoptère? Non, ils sont pas rentrés. Il est tombé. Oh shit! Oh shit! Non, c'est pas grave. Hey, en vérité, j'ai toutes mes chances. Mais après, le stress, il a combien de vie? On va faire un peu de la triche. Hey, c'est hey, la triche, monsieur. Je suis parti. Non, ouais. On se fait. Il m'a vu, français? Ah ouais, regarde, il y a un garde en fait. Je pense que c'est le moment d'y aller. On va éviter de se cacher. Mais c'est bon, il y a tout le monde qui va vers l'hélicoptère. Ils vont rentrer dans l'hélicoptère pour y aller. Pensez. Il y a un gars qui regarde vers moi. J'attends trop, je suis en mode Splinter Cell. Bon, on va arrêter. Je sais pas si c'est RP d'aller attaquer. Enfin, ouais, c'est RP techniquement, mais. Oh putain, en vérité, ça serait pas con ça. Genre, ça serait. Ah putain, je sais pas où elle est. Vol, vol, allez, vol! Elle est là. Vite, 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 vite! Ah, ça fait du bruit. Vol, vol, je peux pas. Non, je t'ai tombé. Fais chier, vol. Ah, mais ah, je sais pas où j'étais. Merde, elle est trop chaud! Trop chaud! Ah ouais, putain, chaud! Bon, on va attendre un peu avant d'y retourner. C'est marrant! Non, j'aimais bien. Bon, ce problème c'est que. Ah, on purge raciste quand même. Au pire, j'aime bien. On va rester dans cette taille, en vérité. Ouais, relu. What? Attaque surprise. Ah, quelqu'un d'autre. J'ai besoin de quelqu'un d'autre, on va aller voir. Y'a pas comment en hurleur, si? Ah, si. Ah non, ah non. Y'a super. Oh, y'a lui qui a voulu se mettre en. Ah, pourquoi il est en super hurleur, lui? Quoi ce bordel? Bon bref. Pas grave. C'est un roller là-bas ou c'est quoi? Non, c'est l'entrée de la grotte comme ça. Bonjour. Je suis néphropito, mec. Qui êtes-vous? Je suis néphropito. Ah, ok. On est des.
Ouais, vous êtes des hurleurs, vous êtes... je comprends. Ah, moi c'est... C'est qui lui? Vous l'avez capturé ou quoi? Mais non, je suis aussi un hurleur. Ok. Let's go, mec, on va gagner. Hurleur. On peut me redonner le fly swap, s'il vous plaît? Le fly, mais c'est trop bien, hurleur. Ouais, il est pas ouf quand même le fly. Hein. Genre, ça permet de voler, mais voilà quoi, c'est pas en mode super développé le truc. Du coup, on peut me redonner le fly, s'il vous plaît? Je me suis mis comme ça. C'est bien comme ça, moi, mon skin. Ouais. Eh, il faut faire slash give ammo dans l'ordre 9, tu vois. Eh, mais toi, t'as eu des armes ou pas? Oui, je suis à 13 000. Oui. Hein? Mais non, mais c'est pas. Non, ils ont fait. Je sais pas qu'ils ont fait, mais c'est pas ça qu'il qu fallait. Ils sont mal donné leur. C'est pas ça leur pouvoir. Ouais les gars, vous allez vous faire taper sur le doigt, hein. C'est pas proto hurleur qu'il faut prendre. Le proto hurleur, moi il y en a qu'un. Non, moi il y a un seul proto hurleur, hein, les gars. Là vous êtes deux. Hein. On prend quoi? Oh, on a pris trop de shit, Ouais, ouais, non, là c'est. Vous avez pris le truc, c'est la fin du manga, ça qu'on le voit. Hein. Genre, vous avez vraiment pris le. Vous avez vraiment pris le. Adieu là, quand même. On peut pas prendre hurleur qui en drade. Comment ça marche en fait? Faut prendre. Oh, j'ai pas. Ah, si, c'est bon. C'est bon. Mais du coup, on a pas. Whitelist là. Non, c'est bon, on est supérieur à vous, les gars. Allez, vous devez vous respecter. Ouais, mais en attendant, il y a zéro tout. Bah, c'est pas vraiment comme ça, c'est pas avec du respect. Hein. En fait, on se bat pour la même chose. Hein. On se bat pour aller défendre le magma. Hein. C'est pas de. Ouais, je regarde. Mais faut que je mette quoi? Ah, c'est à la place du slash, tu mets un point d'interrogation. Oui, je peux pas me mettre Conrad. Bonjour. Bonjour, hé, tu m'as défoncé donc j'appelle la famille, regarde. Putain, ouais. J'en ai toute ta famille le truc. Je t'ai défoncé là. Tu le touches encore une fois, t'es mort. S'il te plaît. Ici, Ouais, attendez, faut que je mette le whitelist. Ok. Faut qu'on commence pas comme les autres, voilà. Parce que c'est une date. Il y a une folie. Moi aussi. Ringo. Conrad. C'est moi. Oh putain, il voulait. Okay. Donc c'est bon, là vous pouvez vous mettre en Conrad. Tu m'as pas donné. Tiens. Tu m'as pas donné. Je suis là. Moi aussi j'ai. Frère, il fait sourire ici, mon moi, pote. Moi je suis plus fort des hurleurs, mais faut pas le dire. Non, y'a pas de ça. Merci. J'ai vraiment servi. Je sais que c'est nous qui mais. Pourquoi t'as envie de faire des balles, on a rien? T'as des balles, toi? Ah mais bah, attendez, faut que je mette vos trucs d'hurleur. Attendez, je mets votre hurleur. Ouais. Attendez, vous avez le choix. Ouais, alors vous avez le choix entre Krakow distance. Krakow distance ou mixte. Dragon mix. Dragon. Dragon, tu vas avec moi? Vas-y, je viens avec toi. Vas-y, on va attaquer la ville là. Et au pire on attaque les hélicoptères. Ça par contre c'est un peu con. 6 ans. Ah ouais, c'est bon, en vérité là j'attaque tous. Wesh, mais pourquoi je vole pas, bordel? Allez, vole! Putain, je comprends pas, genre le truc il est un dragon de mes couilles là. Ouais, j'ai pas compris, le dragon il volait à moitié. Et sont où les autres? Thank you.
Wesh. Je comprends pas pourquoi en fait d'un coup mon animal il descend d'un coup, genre c'est spécial ou... Parce que la méthode de déplacement elle est spéciale quoi. Ok, là-bas. Ah mais, what? C'est quoi ça? Ça va, c'est un golem? Est-ce qu'il me vise ou pas? Et bah c'est où? Il a pris un téléporteur, c'est un... Ah, c'est un téléporteur en fait, d'accord. C'est un téléporteur en fait. Ah, c'est un téléporteur. Donc, en savoir qu'ils prennent l'hélicoptère, en fait, ils viennent là en fait. Du coup, là-bas, en haut, c'est un bureau. Ouais, je vois des gens et il y a des gens là-bas. Mais je sais pas s'ils me voient, je pense pas. Oh stress, bonne journée. Ah non. Ah par contre le... Bon, là, je retrouve les autres, hein, quand même. Ah merde. Sont où les autres, hein? Du coup, les autres. Attends, la porte là, elle est là. Vol. Allez, vol, putain. Mais vol, putain. Putain, t'es un hélicoptère que je contrôle là. Ouais, j'entends, mais attends, tu vas me dire que ça, attends, tu vas me dire que ça c'est le fly swap? Il est en fly lui. Impossible sinon. Mes potes encore une fois, putain, qu'est-ce que... Non, je descends. Mayday. En fait le fly swap parce qu'en fait il faut regarder vers le haut mais, si, mais en fait tu vois genre moi je vais me battre contre les gars qui sont en train de voler. Bon, fuck des shit, go attaquer là. On est marre.
là, ils ont vu un poteau et tenter de voler par-dessus le truc. Aïe aïe aïe. Bonjour. Ah, c'est mon frère de tout à l'heure là, je devais partir. Toi, ils vont te toucher sûr. Toi. Quoi? Bon, bref. Ils vont te toucher sûr. Humain! Humain maison! Il faut trouver et il faut faire les tuer. Manger. Tu prends des dégâts? Il y a pas humain ici. Si, il y en a, mais c'est ici la base en fait. Humain. Bon, vous savez quoi? Ils sont pas là. On détruit tout, détruisez tout. Oh, je sais ce que je vais faire. Cherche à localiser. Cherche à localiser. Trop bien! Ah, j'adore! Eh, le son qu'ils ont mis!
Vas-y. Comment ça? Là j'ai foutu la merde, là j'ai coupé l'électricité en fait. Pour ceux qui se demandent, c'est pas quoi. Ah ouais, non ouais, c'est ça en fait, je suis sur le serveur d'Anning the Franks, hein, Purple. Là j'ai foutu la merde. Endommager le générateur. Endommager le générateur magma. Ils vont jamais me trouver s'ils vont pas comprendre. Dis-moi t'es où je le dégage. Ah j'ai désactivé le. Ah non ça. What? Mais son zizi dans les faits, quoi? What? Tu croyais que je t'avais oublié? Pourquoi t'étais invisible? Bon, bah je vais devoir appeler le réparateur.
Il était... Bon, eh les gars, j'ai foutu la merde, j'ai éteint le générateur, allez. Je me venge. Mais toi t'as fait plus de merde que nous. Mais frère, je suis rentré, il y en a deux qui m'ont vu dans le générateur, ils sont partis direct. Mais moi le problème, moi je me suis... Mais problème, moi il m'a one shot. Non, il a un fusil à pompe. Il a un gros fusil à pompe qui fait super mal, je crois, c'est ça. Il a un gros truc, ça fait mal. Il m'a enlevé toute ma vie direct. Ça va, hein, parce que... Ah, pour... Tranquille, c'est ça là mec, parce que j'ai perdu au moins 200 HP à cause de toi là. Ouais. Moi franchement, vous êtes chiant les gars. Bien débrouillé, je trouve. C'était les combats. Moi aussi. Ouais, super. Ouais, les mecs viennent, on fait un complot, les mecs. Les mecs viennent, on est des humains et on dit qu'on est en paix si on fait de la brouille. Est-ce qu'il est bien ou pas? Bah non, on peut pas faire genre. Vas-y. Ce mec de rabot. J'imagine des parties là. Eh, on arrête. Je suis humain. Regarde. Ah, attends, j'ai une idée. Attends, j'ai une idée, tu peux faire genre, attends, tu peux prendre l'apparence d'un humain et genre faire croire, enfin, on peut faire le RP que genre il y a un proto, un hurleur qui peut contrôler les gens avec un parasite, un truc comme ça, on pourrait faire ça. Mais t'es mec, tu t'es cru, mec, tu t'es cru sur plaquine. Mais ouais, je. Je sais pas moi. Moi, trop, même moi, je suis un loup, mec. Hein. Alors, t'es chelou, attends, je peux pas, peut-être qu'ils pourront m'adopter, tu vois, s'ils m'adoptent, au moins je suis un loup. Les gars, moi je vous dis, zéro tout, il est trop chaud. Du coup, moi je vous dis, venez, on fait quoi? On attaque un à l'autre. On attaque les enfants en fait. Non, mais zéro tout, en vrai, zéro tout, on l'a mis grave mal. Hein. On l'a mis grave mal, mec. Oh, Akira m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il a envie encore. Ouais. Et nous, du coup, dans combien de temps? Akira. On a rechargé tout notre magma là parce que. Alors dites-moi, vous appelez comment? Dites-moi, monsieur, vous appelez comment? Moi, c'est monsieur. Moi, c'est Krakenator. Et toi, c'est Kingo. Et toi, c'est quoi, toi, monsieur dragon, avec un collier là dans la bouche? Alors, moi, je suis pas un dragon, je suis un. Déjà, on va commencer parce que je suis un mal formé de naissance avec des ailes. On va commencer par là. Et mon nom, c'est Ryozu Tora. Ok, moi alors je vous explique, moi c'est une longue aventure. Les mecs, en fait ça s'est passé, j'ai trouvé un loup. Je me suis, en fait, tu vois, le loup il a copulé avec. Bah... Oh les et, je suis. Je, voilà, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile à dire, mais. Ouais. Alors, c'est bizarre, ouais. Après j'ai vu mon apparence. On est quoi. Après, c'est vrai, on est comme on est. Mais après, je veux dire. On fait des espèces en plus, hein. Si on. C'est la même chose, peut-être ça fait. Oula! Bah, moi en fait, je vais pas le dire, mais voilà, en vrai, je suis pas mal formé de naissance. Bah, moi, c'est un peu l'histoire. C'est un hurleur, il a vu un dragon. Il a pas hésité à lui sauter dessus, quoi. Il était vraiment chaud, c'était mon papa. Bertrand le hurleur. Voilà. Oh mon dieu, il pourront. Attends. Bon, les gars, je vous propose un truc, les gars. Moi. Oh putain, tu m'exploses les oreilles par. L'autre qui a pris un dragon blanc. Putain, il m'exploses. Tu vois, oh, Mimi, tu vois dans la nuit, ça, tu te vois direct, ça. Venez, on fait un plan pour les attaquer. Moi, je propose, on évite au maximum la 0 tout. Il y a quelqu'un qui essaye de la truc, donc en gros, il fait qu'esquiver ses attaques pour. Comment ça s'appelle? Mais elle est rapide, hein. Elle est très rapide. Hein. Il s'occupe de foutre le bazar à l'intérieur. Du coup, qui veut se désigner pour affronter Zero Two? C'est rouge. Faut se désigner. Hein. Faut prendre sa force en se désignant. Alors, qui veut se désigner pour affronter Zero Two? Moi, je le nique. Moi, je suis. Est-ce que j'ai rétréci pour vous là? Non. Non. Ouais. Bon bah dans 2 minutes on attaque. Donc Ouais mais dans 2 minutes on a perdu déjà, j'ai déjà perdu mes HP à cause de toi. Ah là il me reste déjà. Au pire Vous avez compris quoi. Oh tire pas wesh. Ah ouais mais on peut pas. Tire sur quoi les gars. J'ai 9000 munitions mec. Les virmes c'est trop nul, hein, les virmes. Grave nul. Par moi là. Moi je suis un.
Moi, en fait, moi c'est que je suis. En fait, je suis un mix. Vous avez pris quoi? Moi, j'ai pris un mix. Moi, j'ai pris un mix. Bah, mix, c'est mieux en vérité. Les mix, ouais. Mais en vérité, mix, c'est bien en fait. Tu peux attaquer de loin et tout ça, tu vois. Bah après, j'ai que ça en mixte, hein. J'ai pas. Pareil. Moi aussi, pareil. Pareil. Moi aussi. Vous avez pas deux trucs le... Ah non, j'ai pas le fly swap, je vous demandais. Vous avez pas le. Attends, vous avez... tout le monde a le blue energy et le truc. Le. Ce truc là, vous voyez. J'ai que le blue energy. Non, moi j'ai ça, moi. Moi j'ai le double pistolet. Oh. Energy gun. C'est bon. Encore, toi. Toi, c'est corps à corps, toi. Non. Ouais, mais en fait, non. Ouais, mais alors, ceux qui veulent utiliser le swap, enfin le fly swap, prenez un truc avec des ailes alors, hein, parce que. Mais moi, je n'ai même pas fly swap, je l'ai même pas. Ouais, parce que t'as un loup, enfin. À part si tu voles en pétant, genre, je sais pas, genre. Ouais, c'est peut-être cool de voler, ouais, je pense que je sais pas de. Moi, bon, prochainement, peut-être, je vais faire un fly. Mais, putain. Pour l'instant, je vais rester en loup. Je voulais, hein. Franchement, les combats en volant, c'est trop épique en fait. Ouais, c'est épique, mais ouais, mais en fait, pour ceux qui volent pas, il faudrait qu'ils aient plus de vitesse, tu vois. Parce que, tu vois, genre. Ouais, parce que, genre, tu te fais défoncer. De résistance, ouais. Ou de la résistance en plus. Attends, non, je vais pas faire vitesse. Hein. Ah, bonjour. Ouais. Je me dis que j'ai fait qui zéro tour. Quoi? Bah ouais, du coup on doit attendre encore du temps pour charger vu que lui il est pas rechargé vu qu'il vient de trucs. C'est pas grave, allez-y, je vous rattraperai. Moi j'attends avec toi. Yesh les gars, wesh non quoi. Oh non, pas toi, non. Oh non. Y'a tout le monde qui est là, oh non. J'arrive. Chut. Les gars, fermez vos gueules et écoutez zéro tout. Donc le premier qui reparle, je le cul à sec, compris? Voilà. Voilà. Quand vous faites une attaque, prévenez-moi avant que je puisse vous scale parce que là je me suis tapé un 5v1 et vous étiez tous comment dire à 0,5 pour moi, genre c'était réellement impossible pour moi de vous toucher. C'est pour ça que j'ai ok ouais c'est un sinon. Aruto, enlève. Tu peux pas ton hurleur vu qu'il y a eu un bug sur la whitelist. On va à Kno qui te mette en mode comme les autres. Ou si, donc vas-y, vas-y. Mets-moi en mode code rad, s'il te plaît. Voilà. Je te laisse lui mettre la whitelist. Donc voilà. Attends, c'est qui qui parle? C'est Aruto. C'est moi. Code de 300. Ah, code 02, c'était bien trouvé hein, le générateur. Hein. Ah ouais, mais hey, je vous jure, revenez sur le générateur, je vous jure, je vous fume tous un HP. dis-moi, Zaruto, j'ai une question. Oui. Dis-moi, est-ce que les personnes qui ont fly, parce que moi je suis Atal, est-ce qu'on pourra avoir la rapidité ou pas? La plus rapide rapidité. Bah, en vrai, y'a pas de truc de speed, je te l'aurais bien mis, mais vas-y, y'a plus de truc de speed. Pas tes armes. Non, j'ai pas d'armes. Attendez. Moi aussi. Non. Ouais, le problème c'est que ces personnes qui veulent pas, ils veulent bien avoir la rapidité, tu vois. Ils vont être plus résistants. Qui veut des balles? Zéro tout, j'ai une question. T'as même pas droit ou quoi? Attendez. Ouais, je peux voler. Hop, tu peux respawn. Akira, vas-y. Elle est bug. Faut qu'on a fait la tour pour tout le jour. Ouais mais ça fait un peu chier ça quand même le truc de vitesse. Oh. Attendez les gars, regardez. Oui, c'est un troller, c'est normal. Quoi? Ouais parce que tu trolls tout le monde. Dans tous les serres. Ah mais attends. Attends, j'ai une idée pour la vitesse. Arrête de faire du bruit. Tu fais quoi mon frère? Arrête, j'ai une idée pour la vitesse. Dans G-Power, il y a un pouvoir, c'est speed. C'est genre le truc de flash mais un peu cheaté je crois. Non mais arrête de... Putain, j'avais beau lui. Je sais pas. Ah, je sais. C'est le pire. Alors, sachez que moi, personnellement, je suis pas pour l'accepter dans l'équipe des trucs. Moi aussi. Qui devrait gagner des rouleurs. Pareil. Faites un vote à ma levée, je vote.
Mais en fait, lui, c'est un troller ou quoi, en fait? Enfin. Bah, ça, c'est respect dans moins d'une semaine. Non, 2 jours, allez, 2 jours, il se fait ban, Max. Il fait chier, il fait chier. Il n'est pas RP. Il va, il meurt et puis il revient. Il revient et puis il meurt et puis il revient tout le temps. Et là, ce qu'il faut. T'as vu? T'as vu? Ouais. Il s'est fait taper parce qu'il fait l'anti-clapé. Allez, les gars, Aruto, là, dégage! T'es pas ta bouche, envoie des balles! Ta bouche, envoie des balles! Non, mais t'es une c'est chienne ou quoi? On quoi? t'accepte même pas Vas-y, bouge là! Dans notre groupe, on t'accepte même pas dans notre groupe de hurleurs. Vous êtes vraiment, vous travaillez des... tout seul. Mais dans tous les serveurs qu'on part, t'es là! Oh le pauvre, il se fait. C'est bon serveur, wesh! On en a marre! Il se fait rejeter! C'est bon serveur? Oh, tu t'étais fait mal du fairy tale RP, t'as insulté tout le monde! Je me suis pas mangé de panne, donc ferme ta bouche! Wow! Moi j'ai payé des balles. Attends, après, je dirais que. Y'a du crédit. Oula! Hein? Je t'envoie ça sur la troupe, pote! T'as demandé de venir voir, t'as pas tué. Non, mais t'as vu! Wesh, les gars, t'as mal la skin que j'ai trouvé! T'as mal la skin! Voilà, celui-là il fait peur! Lui. Eh, je vais aller enculer des gars avec ça, les gars! Eh, j'ai trouvé! Attends, je te slay, attends, hop, allez, respawn! Bonjour! Ah, vous me faites pas chier, je me fais pas chier, t'inquiète! Salut! Pas. Hop là, voilà. Par contre, non, c'est voilà. Pas utilisé, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est impossible. C'est attends, zéro touche, j'ai trouvé un truc pour la vitesse. J'ai trouvé un truc pour la vitesse. J'ai le G-Power. Vas-y, dis-moi. Non, c'est pas G-Power. C'est un truc qui s'appelle Power. C'est un truc, bon, tu devras pas. Excuse-moi, Mimi, ouais, tu devras pas. En fait, tu devras pas l'utiliser. C'est dans Power Fuel Laser Gun. Tu prends le T52 et le T52, quand tu l'as sur toi, tu vas plus vite. Tu as une vitesse améliorée en fait. Ok, bon, je vais l'utiliser. Mais tu dois pas l'utiliser. Au pire, je peux le faire avec le Rasengan. Attends, regarde. Ah ouais, moi aussi je voudrais la vitesse, parce que en vérité le vol il est pas ouf. Enfin il est bien mais tu te fais, t'es un canard. C'est un Rasengan ça? T'es sûr que c'est la vitesse? Ouais, ouais si comme ça vous pouvez courir plus vite déjà. Ah ouais, ok. Ok, merci. Le speed 16 t'as plus. Le speed ça met à 100. J'avais pas fini de parler. Je suis revenu à 100. Pardon, je peux pas avoir mon fly swap. Ouais, attendez. Ça, c'est hop, ça. Je m'occupe juste de tout vous mettre. Fly swap, fly swap. Attendez, les gars, attendez, pas tout le monde, attendez, évitez de venir tous en même temps, s'il vous plaît. Ah, toi. Oh, le dragon. Attendez. Bouge pas, hop, tiens, hop, tiens. Je suis là, moi, regarde, je sors. Après, y'a qui à mettre le fly swap? Excuse-moi, si tu me vois, si tu. Ah, ouais, non, vas-y, faites ce que vous voulez, après, moi, je demanderai. Je peux avoir le fly, s'il te plaît? Yes. Ouais, mais ah bah, vas-y. Parce que j'ai un problème, moyen de ce que ça met. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que ça m'a mis à 100 HP le speed tester. Bah, en fait, quand j'appuie sur le GIF. Lequel? Attends, tu parles du Rasengan? C'est le Rasengan qui met à 100 HP? Non, j'appelle du speed tester. Il m'a mis le speed. Ah le speed, merde. Là, speed je tester. Je vois. Mais moi, fais demander de me. Le Rasengan, il est bien. Le Rasengan, il m'a mis ça et ça. J'ai gardé 1500. Mais par contre, demandez pour le truc, qu'on me le perma. Parce que sinon, tu vois, on va pas faire chier les gars à chaque fois. Moi aussi, je vais faire. Ah, mais là, avec ça pue la merde. Ah gougou, Krakanator, bonjour. Mimi-chan, viens, on devient l'équipe Uselbolt. On devient l'équipe Uselbolt. Ah non, ouais, sinon ouais, il faut juste régler le problème de 100 HP. Ah merde, je crois que quelqu'un d'autre ils ont donné aux autres Rasengan. Mais par contre, non, ça par contre, il faut pas faire ça. Enfin, faut pas faire ça parce que sinon maintenant il y a. Ah merde, pff, c'est pareil. Tout le monde est prêt? Et là? Tout le monde est prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, attendez. J'ai Rasengan. Ah mais attends, toi t'as déjà le fly toi non? Ah mais attends, toi t'as déjà le fly.
Ah mais non mais hey, attends 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 hey, le Rasengan, tu peux pas utiliser le Rasengan hein, c'est en plus juste pour la vitesse hein. Ouais mais faut que tu m'enlèves. Ah ok c'est pour la vitesse. Okay, non c'est pas là, c'est on doit pas utiliser le Rasengan. Attends, excuse-moi, je devais lui demander un truc. Ok, Code 3, viens avec moi s'il te plaît, viens. On va reculer des gens qui parlent. Sinon ça va être la merde. Bonjour, est-ce que tu pourrais me... Ah, excuse-moi, ok, d'accord. Dis-moi quand je peux parler. Ouais, quoi. Tu pourrais me perma weapon le Rasengan, comme ça j'évite de vous appeler tous les jours maintenant. Enfin, tu vois, genre. À part si t'as envie que je vous appelle, hein. Rasengan, d'où t'as un Rasengan ? C'est pour la vitesse, j'utilise pas le pouvoir en fait. Ok. Moi, je te dis. Moi, 03, moi j'utilise ça que pour la vitesse. Hein. Si quelqu'un dans mon équipe, enfin, avec le hurleur utilise le Rasengan, c'est pas moi, hein. Enfin. T'inquiète pas, normalement, dans le York, c'est facile à voir. Mais. Salut Dorian, comment tu vas? Il s'appelle comment le serveur? Il s'appelle Darling in the Franks, c'est Isanami. Comme ça, regarde ici. Isanami, Darling in the Franks, hein, tu es mon Darling, FR. Et il y a déjà pas mal de gens, donc ramenez-vous, hein, les gars, on va s'amuser hein, en vérité. Parce que pour l'instant, pour le peu que j'ai joué, je m'amuse. Non, hein. Je m'amuse réellement. Désolé, oui. Est-ce qu'il a le droit au Rasengan? C'est pour la vitesse. Rasengan, oui, c'est pour la vitesse. Ok, vas-y, tu peux repartir. C'est pour sa vitesse. Il y a les mecs qui me saoulent avec les protéines là, mais c'est qui règle ça. Tac. T'inquiète. Prochain restart, s'il te plaît. Bah, nickel, clairement, c'est quoi. Qui s'y a? Qui s'y fait chier? Qui s'y fait chier? Bah, les gens, le protocoleur et les super. Les man, ils ont pas de whitelist pour l'instant, donc ça me fait chier que les gens les prennent. Ah merde, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel job en fait, c'est ça? Enfin, à part les dans les hurleurs ou. Oh, bon, bref. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois. Alors que le protocoleur, c'est le truc le plus cheaté, je crois, dans chez les hurleurs. Enfin, le truc le plus cheaté, c'est le hurleur qui a la capacité de. Qui est un humain, je crois, c'est un humain. Enfin, pas un humain, il a la forme humaine. Il a une forme humaine. Enfin, non, il n'y a pas la forme humaine en fait. C'est la forme qu'ils avaient de base, hein, les hurleurs. T'as vu le manga toi, sinon, Code 03? Ou t'as pas vu le manga et j'ai évité de parler comme ça. Tiens, je t'ai dit, et oui, j'ai regardé le manga en entier, plusieurs fois même, et je connais tout, t'inquiète. Tu sais s'il y a les scans du manga ou pas? Parce que les scans j'ai pas pu voir. Enfin, est-ce qu'il y a des scans? Non, tu trouveras pas, j'arrive pas à les trouver. Moi. Ok. Parce que Free, il y a l'animé. Non, ok, d'accord. Voilà. Okay, merci, au revoir. On se retrouve plus tard. Ouais. On se retrouve plus tard. T'inquiète pas, attends. Oui? Attends, je suis un Nine. Ouais, c'est ça, t'es ceux qui vont nous charcuter là, je connais. En gros. Attends, pour te. Non! Là, t'as ton arme. Ah. Mon arme, Rasengan? Non, mais je l'ai plus! Remboursé, tu me l'as pas donné! Je l'ai pas! Bah, si, je t'ai mis! Non, j'ai pas, t'as regarde! Mis un crack-os. J'ai pas! Tu t'es trompé à tous les coups! Fais chier! Oh, regarde si tu t'es pas trompé de personne là! Ça se peut que tu t'es trompé de gars! Tout déjà tout. Tu m'as retiré le Rasengan! Enfin, tu m'as retiré la vitesse surtout. Bah non, tu l'as. Non, je l'ai pas, j'ai pas. Moi j'ai Physics Gun, Tool Gun, Pocket, Caméra, Gravity Gun. Ah si, ouais, non, c'est bon. En fait, le Rasengan de base, en fait, il s'était mis en dessous de Physics Gun, mais en fait, il s'est mis en haut. C'est pour ça. Oui. Ah, t'es nouveau toi? Oui. T'es nouveau? Non, pas trop. Hein. Ah, tu dois changer de skin par contre, hein. On est pas des Gundam nous. Hein? Hein? Bah, je sais pas, moi on me l'a autorisé celui-là tout à l'heure. Ouais, mais. T'es sûr? En hurleur, on t'a autorisé un skin en mode robot? T'es sûr de toi? Bah, on m'a autorisé ça. Non, mais est-ce que. Tout à l'heure, est-ce que t'étais en enfant ou en hurleur? J'étais en hurleur, ouais. Mais comme toi, je te pose juste c'est une question, si hein. Pas besoin de m'engueuler, tu sais, genre, pas besoin de m'insulter aussi, tu vois. Non, mais je t'inquiète pas. Eh, c'est bon, vous êtes méchant avec moi, monsieur. Me suivez pas. Arrêtez de me suivre. Bah, en fait, la sortie, elle est par là, donc moi, je... Arrêtez de me suivre. Oh, c'est bon, wesh, y'a des gens qui savent pas rigoler sur ici ou quoi, wesh, on dirait des enfants. Non, derrière ça parce que c'est moi l'enfant d'habitude, tu vois. Ouais, c'est par où la vie?
Ah merde, j'ai plus mes armes, ok. On fait ça pour enlever ça et on fait ça, voilà. Putain, j'ai pas eu. Ah bordel! Bon, mes potes vont se faire buter, hein. C'est quasiment sûr, ils vont se faire buter. Il y a zéro trou et les squads 99999 là-bas. Ah, mes potes vont se faire enculer. Est-ce que c'est assez rapide? On dirait. Alors, on va voir, on dirait. En fait, quand on a la Razen, on est beaucoup plus rapide en fait. Il est rapide celui-là en vérité. Ça c'est des viandes ça, c'est des méchants. C'est des méchants aliens ça. Ah merde, je suis du mauvais côté. Okay. Vas-y, par là, par là, par là, par là, par là. C'est par là, pas par ici. On se fait attaquer par les autres monstres, putain. Eh, ils ont réussi à rentrer. Oh, attends. Oh, 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 oh. Zéro tout, bye bye. Y'a un truc dans l'eau? Ah non, c'est juste de l'eau. Ah non, me dis pas que je suis bloqué. Non ça. Wesh, pourquoi je regarde comme ça? Oh bah ça fout. Je sais pas pourquoi. Ah on a augmenté ma taille, ok. Mais la porte est pas ouverte. Je suis baisé moi. Si. Non putain, mais vas-y, va te faire foutre. Ici. Non, je peux aller. Parce que en fait c'est que je suis bien plus grand que ça, du coup je peux pas voir si je suis bien. Ah merde, quand on a ça on peut pas aller rapidement.
Merde. Mais ils font trop mal! C'est quoi ça? Viens, on se cache. Crève, hurleur de merde. Il fait des bruits bizarres, le hurleur. Moi, je vais piloter une fille, ouais. Après, je vais piloter une fille. Et je vais tous vous massacrer. Ah, non, il voit pas. Allez, reculez, son bâtard, allez, fais des RP. Bon, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis de retour, les gars. Je suis de retour et... What? Ah, ok, putain. C'est pour ça que je voyais ça comme ça, putain. Tu vas me dire. Pourquoi j'ai ça, de base? Ah, j'étais trop rapide, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Lucien, t'as dit quoi toi? Mais ils ont des armes qui font assez mal, ça le truc. Il se passe quoi là devant toi? Moi c'est Len. Eh, se passe quoi là? Y'a des gens qui se battent ou pas? Je t'entends tuer. Eh! Eh, attends, regarde, je suis rentré dans la base, j'ai attaqué les civils, j'ai attaqué les enfants qui étaient dans le hangar. Ouais, mais j'ai crash, mec, j'ai crash. Ouais, j'ai vu, t'as crash, t'inquiète. T'inquiète, hein. Et le serveur il est full. Ah, il est full, ça. Il est full, faut pas tuer quitte. Ah merde. Est-ce que ça fait des dégâts le Rising Gun? Ouais, attends, je vais faire. T'as marqué. Connard. Oh purée, on pourrait les lead, hein. On pourrait les prendre avec nous et les ramener en fait. Il y a des explosions, je crois qu'ils se battent en fait. En haut en fait, c'est le tout. Je peux aller par là, je pense. Allez, 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 non, non, non. Faut pas y aller, putain. Faudrait le swap en fait. Enfin, il faudrait le fly swap, mais j'ai pas envie de le prendre. Un peu trop fort, à mon goût. Ah non, par là, c'est pas le bon choix. Il a dit quoi? Ah putain. Quoi, il est là? Ici j'aime bien, ici parce qu'on peut regarder un peu les humains. Bon après, c'est sûr qu'ils me voient de loin en vérité. Ouais, c'est sûr. Ils voient le hurleur éclaireur. On va l'appeler celui-là. Ouais, il y a des explosions là-bas, hein. D'accord, hein. Je crois qu'ils se battent entre eux. Enfin, non, je pense pas qu'ils se battent. Je pense qu'il y a des gens qui s'attaquent ou qui se battent entre eux, ouais, y'a moyen. Sinon, y'a quoi d'autre comme RP qu'on peut faire? Je pourrais faire le RP de l'autre. De scientifique, ça pourrait être marrant ça. Bon, y'a déjà lui là, Dr. Frank. Si on prend la Rising Gun, on pourra.
Ah voilà, je crois qu'ils se battent ici en fait. Hein. Ok, d'accord, je savais pas que ça, ça faisait ça, mais... Ça se passe quoi? Elles sont... Ah, on est plus que deux? Putain, d'accord. Mais moi j'étais parti dehors pour aller voir. Moi j'étais parti dehors pour aller voir. C'est pas ça ce que je t'ai dit, mec. T'étais où? Parce que j'étais seul. Désolé. J'ai trop un bug, mec. J'ai trop un bug. Est-ce que t'attends, Ian? Est-ce que là, tu vois, est-ce que je tire ou pas? Vas-y, tire, vas-y. Crac. Tire, tire. Ouais, oui. Oui, tu tires aussi. Tu vois les balles? Oui. Ah putain, parce que moi je vois pas les balles. Ah, c'est pas les balles. Ah, mais aussi, hé, Mimi-chan là. On est d'accord? Les Gundam ils nous défoncent. Hein. Bon, on est en Conrad, c'est normal, mais ça fait mal quand même. Ça prend... On prend cher dans le cul, c'est ça que je veux dire. Mais mec, attends, t'as ton Rasengan ou pas? T'as ton truc Rasengan perma ou pas? Ouais. Attends, je peux tester ça ou pas un truc? Je peux tester ça ou pas? Vas-y. Tu testeras ton après. Tu veux tester quoi? Tu veux faire quoi? Ouais, ça fait mal. Tu m'as enlevé. Enfin, quoi que. Attends, viens ici, vite, tiens dessus. Pour voir l'arme de base qu'on a. Ça t'a fait 110. 110. Mais attends, normalement. Oh, tu vas me tuer, hein, attends. Il te reste combien? 630. Ouais, non. Oh, ouais, attends. Ça veut dire que si on tire bien sur un gars, on peut le tuer facilement, en vérité, je dirais. Ouais, tu peux tuer clairement, mec, ça fait tellement mal. Vas-y, tu mens. Arrête, me tue pas, vais te tuer comme ça tu réapparais avec toute ta vie, parce qu'on peut pas se suicider, j'ai fait slash kill, ça marche pas. Bon, va, ça te dit qu'on aille jouer un peu avec les gens? Par contre, ouais, je vais dire aux admins, les armes des autres, ils font bien mal, hein, comparé à nous, quand même. Bah, le problème, c'est qu'on a même pas la vitesse, en fait. On prend l'arme en pour changer de truc, en plus. On doit changer de truc à chaque fois, tu vois. Appelle un admin, mec. Appelle un admin, lui demander si on peut sortir dehors sans attaquer, tu vois. On peut explorer, tu vois. Parce que moi, je connais pas vraiment la map, hein. On peut, viens, on peut. Attends, viens avec moi, viens, je te montre le raccourci pour aller plus rapidement. Viens. Viens, je t'explique un truc. Tu vois le portail, le truc vert là? C'est un portail, il faut pas le prendre. Si on y va, et ben on spawn dans la base des gars. On peut pas.
Là, regarde, je t'explique. Ça, c'est l'une des entrées. Enfin, c'est pas une entrée, mais bref, c'est un truc comme ça. Alors, moi, j'ai trouvé un moyen de rentrer. Regarde, regarde. Tu prends la Rasengan, tu vas ici. Regarde, regarde. Et tu vises. Tu regardes, tu regardes, tu vises le truc là-bas en face, tu vois. Je sais pas si tu vois. Le coin. Et tu fais ça. Alors, ici, alors, attends. C'est de l'autre côté, ici c'est trop raide, c'est trop raide pour le faire. Dans l'autre côté c'est un peu moins. Là, attends, viens, viens. Attends, ouais, vas-y. Ah oh, bâtard, il a réussi. Il a réussi, le bâtard. Ouais, mais je crois qu'ils ont dit pas attaque, hein. Ils nous ont demandé de pas attaquer, donc viens, on sort. On peut faire des danses? Attends, est-ce qu'il y a des danses? Ouais, les tout derniers, ceux tout en bas, tout en bas, tu fais une danse chelou là, en dessus de toi, vas-y. Ouais, attends, viens, mec, viens, on crée un groupe, mec, plus ça aussi, c'est créer un groupe. Attends, c'est quoi ton nom? Mimi Chan, ok. Tag, 5, 5, 5, 5, name. Tu n'as rien fait contre moi. Attends, comment je fais pour... Ah, ok, d'accord. Minchan, il est où Minchan? On est les deux derniers survivants. Les deux derniers hurleurs. Je t'ai envoyé, c'est bon. Accept. Ok. On peut pas aller dans le chat. Non, on peut pas aller dans le groupe. Si on est bon, on peut pas aller dans le groupe. Ah, attends, regarde, regarde, tiens, regarde, moi, yeah. Mon truc. Je te montre maintenant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, toi t'as tout en bas, les logs de rigoler ou danser, t'as un truc, c'est un truc qui fait super rire. Tout en bas normalement. Les ouais, derniers. Non, dans log, dance. Ouais, voilà, celui-là. Où tu danses là, carrément. Mais là, il y a des dogs des fois animés et tout ça. Moi, tu vois, mon personnage est animé en fait. T'as vu, il fait des fois, il a le truc, là, il renifle et tout ça. Ouais, je vois. C'est un truc animé. Vas-y, viens, on y va. Viens, on va de l'autre côté. Tu veux qu'on fasse quoi? Non, mais viens, je vais te montrer, attends, je vais te montrer un truc. Ouais, tant qu'on attaque pas de pompe, c'est pas grave. Hein. Et ici, on peut se mettre. Oh, il y a des gens en face. On peut se mettre ici, on regarde, à droite, à gauche. Ouais, y'a des gens. Ici, hein. Attends. Tu veux leur tirer. Tu veux faire la courte échelle, mec? Tu veux me faire la courte échelle? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu veux faire quoi? Pour me mettre en place. Hein? Non, y'a une meilleure idée. Y'a une meilleure. Plus simple. Allez, nous voit. On se casse, viens. On se casse. On se casse. En face, pile en face, y'a des gens. C'est des combattants, des militaires. On fait quoi? On les attaque? Non, on a pas le droit, mec, d'attaquer. Pourquoi? Ah ouais, il faut demander. Il faut demander, ouais. Il faut demander. Bah, tu peux demander. Enfin, fais un slash advert. Commence à s'approcher de la base humaine car sort du magma à l'intérieur. Enfin, ouais. Normal, il y a du magma ici. Je sais pas l'écrire, mec, je fais plein de fautes, mec. Fire, t'es malgré ça. Surveille, c'est pas des gens. Surveille, c'est pas zéro tout. Alors, c'est quoi zéro tout? C'est la mort. Je vois pas qui pense. Non. Et par contre, je vois les gens qui nous regardent de loin. Mec, dépêche, non, quitte. Reviens, rate. Mec, ils nous ont vu, mec. Non, je sais pas. Ils nous ont vu, mec, ils nous ont vu. T'es sûr, parce que là, ils nous ont vu. Hein. Il fuit, mec. T'es sûr? Mais pour l'instant, qu'il n'y a pas zéro tout, on s'en bat les couilles, en vérité. S'il y a zéro tout, là, on se casse. Hein, genre...
C'est quoi? Viens, 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 on y va, mais on les attaque pas, on y va juste pour faire peur. Ça te dit ou pas? Et s'ils nous attaquent, bah. Mais comment tu fais pour venir? On ouvre la porte! On casse la porte! T'es où mec? Sur un tas. Viens sur un tas. Je suis sur un tas, je suis au niveau des hélicoptères. Mais viens, moi je suis devant la base, moi je suis devant la base, viens. Moi je suis à l'intérieur, moi je suis déjà à l'intérieur moi. T'es debout? Mais t'as rentré, t'as wesh, passé wesh, 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 wesh. Mec, t'es passé par les hélicoptères. Wesh, mais frère, il est où celui-là? Mais frère, je suis au niveau des hélicoptères, derrière, au niveau de l'ascenseur, au niveau de l'allée principale. Ramène-toi, moi je suis tout seul, contre les deux. Wesh, il joue au même jeu que moi, lui ou quoi? Moi je te vois, je suis là. Mais, viens, 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 viens. Ah, dommage, ils sont partis. Ils sont en dessous, ils sont là. Viens, viens, on cherche les enfants, viens, on cherche les enfants en fait, viens, viens. KMF, juste KMF, attends, 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 elle sort des coordonnées, elle sort des coordonnées. Attends, attends, attends. Ouais, pour faire un RP, ouais, viens, 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 appelle vite, hein, parce que 02, ça t'explique, c'est une grosse, un gros robot rouge, il nous défonce tous, hein. Viens, on continue à se balader en attendant. Un peu au moins. Mais dis-lui si elle est dans une maison ou dans un truc en métal, hein. Ça sera plus rapide pour moi. Dis-moi. Wesh. Oh mec. Elle est où? Elle est en dessous, en dessous. Elle est en dessous, faut. Elle est en dessous, en dessous. T'en viens! Viens, viens, on va déjà commencer à préparer la sortie! On va! On se casse! Merde, il faut monter les scènes! Ok, non, c'est en face, en face! La porte, c'est en face, elle est là-bas, la porte! Humain. On se barre, super cher, on se garde. Wesh, allez, allez, ouais, ça.
Ah t'as là, ok. Eh, je les connais, ils sont tous sur Discord. Les personnes sur les tapas que t'as attaqué, ils étaient sur Discord. Ils ont paniqué ou ils ont. Si, ils ont juste des kitos. Oui, ils ont paniqué. Frère, moi j'ai fait comme ça. Moi j'avais écrit. Tu sais la meuf l'enfant, elle a pété, elle a dit oh là elle était pas en train de stresser, elle a dit après elle a dit code 00. Code 00. Je sais plus quoi leur code. Par contre t'as pris cher mec hein. Mais en fait je suis allé au corps à corps pour faire peur, je les attaquais même pas, j'étais en mode waouh comme ça. Il y en a un qui a sorti une épée, il a commencé à me découper, j'ai pas compris. C'est Luna Len. Ah Luna, t'es ma mère, elle va prendre. C'est un modo, c'est un certain. Ok, ok. Vas-y, du coup. Attends, du coup. Achève-moi comme ça, je reviens avec ma vie. Ok, t'es prêt, désolé. Je suis obligé de te faire. Tue-moi. Mais. Tue-moi, bordel. Tue-moi. Fais-le. Tu veux pas, tu veux pas. Tu es mon ami. Je veux pas te tuer. Attends, si tu le fais pas, fais-le. Allez, fais-le. Aïe, aïe. Je t'ai donné une claque. Oh putain. Bruh. Ah, mais t'es qui a spawn. En vérité, on peut y aller maintenant, tu sais, parce qu'on est pas mort en soi. Mais par contre, là, c'est sûr qu'ils sont avec des Gundam. Hein. Attends. Non, crack. Yo, je suis là. Ah, attends, viens, attends-moi. Attends-moi, je suis en train de me remettre des armes. Enfin, munitions. Merde! Ça met genre quoi, ça, ou quoi? Je s'est mis en QWERTY, bordel de merde! Chiant, pourquoi tu voles pas? Parce que j'ai demandé à ce qu'on me retire le vol. Enfin, pas à ce qu'on me retire le vol, on m'a pas retiré réellement le vol. J'ai demandé à... En fait, j'ai... truc. J'ai demandé qu'on me donne le... la vitesse, en fait. En clair, je suis rapide, mais je vole plus. Mais je préfère ça, hein, parce que quand on volait, on était une putain de poudrière. On se faisait tirer dessus par tout le monde. Salut Michel Gustin, comment tu vas? Tranquille? Qu'est-ce qui t'amène sur mon live? Tu cherches du RP? Enfin, de l'amusement aussi. Il faut de l'amusement. Allez, olé, putain, attendez. Wesh! Attendez, putain, j'ai un gros lag là par contre. Voilà, nickel. Voilà, j'ai remis le jeu en quartier, enfin le PC en français. C'est bon, je suis là. C'est bon, attends, je suis en train de me repasser. Attends, excuse-moi, j'ai mon PC qui m'est en QWERTY. Tu sais pourquoi il t'attaquait, mec? Parce qu'en fait, t'es un hurleur en fait. Mais il t'attaque même si t'es pas un hurleur. Bah, si t'es un hurleur, en fait, il t'attaque même si t'es passif. Ouais, t'inquiète. Non, c'est parce que moi, je m'amusais juste à leur faire peur, tu vois. Mais après, ils ont sorti leur arme, ils sont directement venus sur moi, j'ai pas compris. Ok, ça c'est prêt. Ils ont dit qu'ils ont vraiment flippé par contre. Ils ont dit qu'ils ont vraiment flippé. Bah ouais, tu sais comment j'ai fait? Je suis allé près d'eux, j'ai fait. Comme ça. Mais ils ont cru qu'ils allaient. Ils ont cru que t'allais les tuer en fait. T'allais les tuer. Ouais, mais ils ont combien de vie eux? Attends, regarde, putain. What? Attends. Eh, ils ont 4000, ils ont. Ah, attends. Les apprentissages francs, ils ont 500 de vie. Et les enfants, ça y est, les enfants, ceux qui peuvent utiliser les francs, je crois, ils ont 3000, un truc comme ça. What? Non. C'est vénère ça. On a pas pu tuer une enfant. Oh! Eh, t'es mal! Code 200, Shintaro Pito, tu connais c'est qui? Alors lui, si je le trouve, c'est un gars qui fait des. Enfin, moi aussi, je suis en live, tu vois, par exemple sur YouTube, mais lui, c'est un gars qui fait des lives sur Twitch. Oh, on va le choper celui-là! On va aller sur le choper! Hein? Ok. Toi, tu te fais des lives là? Tu fais un live là? Ouais, je fais. Non, je fais des lives. Ok, vas-y, viens, t'es prêt? Tu joues un 5. Je lance un record et dire go rush le raid. attends, va lui dire sur son live, genre on arrive, t'inquiète pas. Tiens, genre. Attends, j'arrive. C'est Shintaro Pito, c'est Grégory ou Shintaro Pito, je sais plus. Oh mon dieu.
Michel Gustin, alors salut, t'es marrant et gentil. Ah merci, ça fait très plaisir. En tout cas, n'hésite pas à vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire, à partager le live T'es hein, sur si quoi? T'es ça vous sur plaît. Twitch là? Moi, je suis sur YouTube, moi. Moi, je suis team YouTube, moi. T'es sur YouTube, t'as une chaîne YouTube. C'est quoi ta chaîne YouTube? C'est CPT Striker en majuscule, espace Tracker. Ah non, 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 c'est CPT en majuscule, Oh, espace Tracker. dis-moi sur Discord, dis-moi sur Discord. Viens sur Discord, t'es où sur Discord? Viens dans le Moi, j'ai pas le chat. Discord, moi. Moi, j'ai pas le Discord, Allez, hein. Berlin. Moi, j'ai pas le Ah, je Discord. te l'envoie. Moi, j'ai pas le Discord du serveur. Deviens le roi des hurleurs, deviens le roi des hurleurs. Attends, Agent je Romanti, teste. évite de spam, s'il te plaît. Enfin, évite de remettre toujours. Je peux pas devenir le roi des hurleurs Vas-y. comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On va rejoindre le Discord, du coup. On a combien de temps de live là, quand même? Putain, on est déjà à 3 heures. Oh! 3 heures de live. Allez! Putain, j'ai tout qui bug. J'ai vraiment tout. Non, ça. Ah si, oh, wow, je bug. Je bug pas mal. Oh attends, Shikyo qui me parle. Il m'a envoyé un truc, Shikyo. J'arrive sur le serveur Darling de France. Ok, il y a tous mes potes qui vont venir. Putain, il y a Shiro, il y a Shikyo. Putain. Tout le monde. Ah merde, ça a pas marché. Putain. En fait, je vous explique, j'ai fait un copier-coller du truc qu'il m'a envoyé, mais ça marche pas. Putain, qu'est-ce que c'est. Je t'attends. Attends, Oh putain. Est-ce que ça. Ça marche pas, putain! Ah, marche, allez! Ah, ça marche pas, c'est bon. On va rejoindre à la bonne vieille époque, hein, ça a l'air caca. Non, alors, attendez, caca, voilà. Et où le truc? Youhou! Il est là, voilà. C'est Kaka Bonjour, A-U-H-W, bonjour. ok. Kaka A-U-H-W. Mais je sais pas si comment ça marche encore. Ah, mais putain! Oh, fais chier! Oh, mais fais chier! Ah, Attends, il est il est là, là. c'est bon! Ah, C'est c'est ça ça que que j'ai j'ai besoin. besoin. Voilà. Kaka A-O-U. Voilà. On retire ça. Kaka A-U. HW. Voilà. Alors, W majuscule par contre. Si, je rejoins, ok, c'est bon. Je rejoins. Ok, je suis là, il m'a demandé de venir sur le vocal 1 qui est là. Mais je peux pas le rejoindre! C'est de la merde! Pourquoi je peux pas rejoindre le serveur? C'est. J'ai pas. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Putain. Oh putain! C'est Fox Water le gars qui veut me rejoindre, mais je sais pas comment faire. Attendez, au pire. Envoyer yo. Yo, et on va lui envoyer ça. Demande d'appel vocal. Ouais. Ah, oh, bordel. Ouais, c'est bon. Mimi, j'arrive pas à rejoindre. J'arrive pas à rejoindre. Enfin, j'ai rejoint le Discord, mais j'arrive pas à rejoindre le truc. Va dans rôle, t'es trop con, va dans rôle. Comment ça, bon? Mais je suis pas trop con, je sais pas quoi faire. Mais c'est trop con, quand là. Il n'y a pas d'humour. Joueur du mode, joueur. Ok, donc maintenant je peux. Okay. C'est bon, je peux! Allô? T'as aussi, mec. Qui ça, ma voix est trop fort? Non, t'as réussi. Attends, il y a combien de lives? Il y a un là. Oh, ta chaîne YouTube. Ouais, toi qui sais, ouais, t'as trouvé la chaîne YouTube? Non, j'ai pas trouvé. T'as pas mis un subscribe. Comment ça, ah, on peut mettre qu'on fait un live sur le Discord du serveur. Non, ce que tu peux mettre, c'est que sur ta sur ton tu vois sur Discord, le profil, tu peux mettre ta chaîne YouTube et ton Twitch. Ah ouais, ok. Attends, tiens, regarde, tiens, je te montre. Je te montre comment. Envoie-moi le nom. Tiens, c'est ça, le nom. Attends, je vais essayer de voir pour voir, pour faire le même truc que tu m'as dit là. Pour mettre le nom de ma chaîne. Alors, je t'explique. Alors, tu vas dans Ouais. paramètres utilisateurs, tu fais Ouais. application, tu fais non, connexion, et voilà. Et puis tu acceptes la connexion. Ah, mode streamer activé, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire, tu vas sur YouTube, tu peux mettre ta chaîne YouTube. Mais quand j'ai, moi, quand je vais dans paramètres utilisateurs connexion, ça fait rien.
quand tu vas dans paramètres utilisateur et tu fais connexion et tu as connecté ces comptes pour pouvoir accéder à des interactions. Non, j'ai pas ça, moi. Quand je clique sur paramètres utilisateur connexion, ça me met mode streamer activé. Ah, parce que t'es en stream. Ok. Okay. Bon, c'est pas grave. C'est la guerre Naruto RP. Parce qu'à la base, je voulais enfin à Naruto RP. Mais après, quand j'ai vu que le serveur, ce serveur était ouvert, je me suis dit, c'est quoi, go? On y va dessus. C'est pour ça, en fait, quand j'ai commencé à rejoindre. En fait, non, quand j'ai commencé à live, j'ai commencé à live sur Naruto. Mais quand j'ai vu Darling de France, à cause, parce que le Naruto il avait crash, il avait redémarré, j'ai vu qu'il était ouvert, je me suis dit, go, c'est quoi? Oh putain, l'enculé de. Quoi, on nous attaque? C'est l'enculé de. Ah merde, le monstre là. Tu parles. Bon, t'as perdu, t'as 1400. Tu fais pas mal de vidéos. Hein. Ah, beaucoup, tu trouves? Ouais, sur Gmail, donc comparé à moi, mec. Tu verras la mienne, 70, ouais, 70 abonnés et un taux de vidéos 43 dans les 40. Ah, ok. Genre, là maintenant, c'est bon, j'ai 3 millions de jeux sur le truc, je passe ma vie dedans. Les fêtes de Noël, je les ai passées sur Gmail. Ah ouais, le groupe de gars qu'on a attaqué, c'est en bas, c'est Aizawa, Fujoku, Luna, Len, ça. Ouais, c'est ça, il y en a que deux qu'on a attaqué. Et le mec, tu vois, le Ankno, c'est le fondateur, tu vois, du serveur. Qui ils sont juste... Il est en stream, là. Il est sur Twitch. Ok. Attends, mais sur le Discord de Izanami, on peut mettre en live ou pas? Donc il faut faire un truc. Je crois que c'est dans annonce ou je sais pas, s'il faut demander. Je crois qu'il vous donnera. Il vous aura pas? Ok. Non, parce que je vois Aizawa, il a déjà commencé à mettre. Mais Aizawa, je le vois partout, wesh. Ah ouais, je vois, c'est Aizawa son nom. Il a un tout et il a. Ah, je pense pas qu'il voudra. Non, c'est pas grave. Non, il voudra pas. Attends, j'ai envoyé. Oh, c'est pas. Attends, j'envoie juste sa réaction. Attends, je l'appelle en même temps. J'envoie juste sa réaction. Est-ce qu'il a mis sur son stream, il a mis sa tête? Ouais, il a mis sa webcam. Ouais. Attends, j'ai l'appelé. Non, c'est pas code. C'est pas comment? Ah, mais il y a que des codes partout. Tu penses, à mon avis, la taille du serveur pour l'augmenter, à mon avis. J'ai des rangements. Tu l'as appelé? J'ai appelé pour demander si c'est mon frère. Vas-y, va qu'on va pouvoir y aller. Hein. Ah non, Quoi? Ah non, il a désactivé. Oh, je suis deg, il a désactivé le. Pour les amis. Alors, on réseau 3000 à 7h. Ok, non. Bah, du coup, on continue ou. Ouais, je. Ah, il a une chaîne de 403 abonnés. Ah, putain, j'ai. Il a fait que 3 vidéos, mec. Quoi? Ouais, il a fait que 3 vidéos. Et les 3 vidéos, ils ont marché? Bah, 142, il y a 3142 vues. Ça dure 3 minutes, il a eu 250 vues il y a un mois. Il y a 5 mois, il a fait un best-of, il a eu 205 vues. Je pense qu'il a une chaîne Twitch, hein, non? Ouais, il a 2500 followers. Ah, putain, quand même. Ah, GG. Bon, vas-y, quand tu veux, on peut y aller. Putain, moi je me sens énervé comparé à vous tous. Tiens? Je me sens énervé comparé à vous tous. Mais non, même moi, c'est 162 abonnés, genre. Frère, moi aussi, il y a pas longtemps, c'est ça, genre. C'est en faisant des vidéos, en persévérant, en faisant des lives, en rigolant à fond, tu augmenteras ton nombre de personnes. Non, mais je crois que tu fais un petit YouTubeur comme toi, et je croise un petit YouTubeur. Parle plus fort sur toi, parce que j'entends pas beaucoup. Ce que je veux dire, j'ai croisé plein de petits YouTubeurs là. Enfin, un jour, je crois que j'ai croisé 3 YouTubeurs. Non, t'inquiète pas, hein. 142, je crois qu'il y en a 162 et 142. La porte elle est encore ouverte! Ah là, ça c'est la porte! J'ai vu, ils sont tous en bas, mec. Ils sont tous en bas, mec. J'ai vu, ils sont tous en bas. En face! Ah non, pas en face. Ah si! Si!
touche à full view ou pas? Ouais. Non, par contre, là, faudra pas nous prendre pour des quiches, là, quand même. Il est pas un peu invincible, lui? Par contre, je crois que t'as tout le cœur, hein. Tire-toi, oh putain, ils ont tout? Oui, il y a tout le monde. Sérieux? Oui, il y a tout le monde. Mais tu vois, mais tire-toi. Mec, je me suis tiré, mec. Mec, je me suis tiré. Et ils ont tout? Mais il est en dessous, là. Mais elle arrive ou pas? Est-ce que tu l'as vu arriver? Attends, je suis sorti. Alors, j'ai arrêté. Oh, ouais, après, moyen ce que tu fais, quoi. C'est un peu du streamage, je crois. Ouais, on tire dessus, surtout. Non, mais mec, il est rien. Non, c'est pas grave, rien à foutre. Moi, tire dessus, moi je le vends. Non, il a déconné, niveau vie, il a déconné, je crois. Il a combien fait là? Et il a perdu à peine 400, pour rien. Genre, le caporal, il a perdu rien du tout, hein. Genre, je sais pas, genre, je crois qu'il vient de se. Il vient de capter qu'il était en god, je sais pas, genre. T'es où? Ok, t'as. Mais lâché, mec, je reviens pas, mec, on va mourir. Ouais, mais par contre, je vais demander à la limite, c'est quoi ce bordel? Genre, les humains, c'est genre, ils sont plus vénères que les trucs. Pourquoi je vais demander? Bon, je suis aussi de toute façon de demander, tu vois. C'est de la merde, c'est bon, hein, c'est de la merde parce qu'on peut pas tirer. Tandis que celui-là on peut. Allez, arrête, tu sais déjà comment ça va finir. Allez, du coup, tu prends. What? T'as fait hyper mal, du coup, c'était juste. T'as visé dans ma tête, du coup, c'est sûr. Ouais, par contre, attends, moi je vais remonter. Tu veux que je te tue quand ça tu récupères ta vie? Vas-y, elle a maintenant un concours. Ah, mais rien, juste ça, parce que. Parce qu'en fait, nous, on prend plus de dégâts qu'eux, je crois. Ouais, mais pourquoi? Parce que c'est pourquoi ils ont de l'armure, je crois, ils ont plus de 500 d'armure. Ah, mais non, ça c'est. Genre, ça, je vais clairement. Là, je vais clairement aller gueuler, tu vois, genre. Enfin, c'est inacceptable, genre, ils ont. C'est vrai que c'est inacceptable, c'est ils ont full vie, c'est ils ont beaucoup trop de vie comparé à nous. Genre, tu vois, genre, les gardes, non, on aurait dû les défoncer, hein. On aurait dû le sauver le cul, hein. Mec, même les, je crois, les enfants, ils nous ont cul, je crois, même les enfants, ils nous ont cul. Non, mais non, niveau vie, ils ont pété, hein, ils ont. Je sais pas qu'ils ont fait, mais voilà. On fait un demain, parce que moi j'ai fait un demain. Attends, je vais faire un truc. Par contre, mec, machine gun, je crois que c'est pas ça, je crois. On peut pas l'approcher, je crois. C'est mort. Non, ouais. Par contre, ils ont tué des armes, genre les armes, c'était hyper badass. Enfin, pas hyper badass, mais je crois. Oh! Je crois que quand on se bat le conflit, quand il est revenu vers le hangar, je crois qu'il s'est guéri une arme. Hein. Je te jure, genre. Il a sorti une arme de sa poche, mon gars, c'était. Ah ouais, mais c'est, oh, c'est un super admin, ouais, c'est normal. Ah,
Ah mec, ah mais il était en mais ça s'est rajouté des PV, je suis sûr. Ouais mais c'est chiant alors, de toute façon. Ce que je veux dire c'est que. Après, j'espère qu'ils vont bien gérer ça, parce que là pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils gèrent bien. Attends, attends, écoute-moi. Ils n'ont pas bien géré la l'égalité des factions. Non non non, c'est plus chiant. Parce que. Qui ça? Non on est les plus chiants. Ouais non, non, on est fort comparé à un humain de base, normalement un humain de base, s'il a pas le Franck, il se fait défoncer. Ah, ouais, bonjour, on a. En fait, au moment où on fait. Non, c'est parce que j'ai pas pu changer. Et aussi parce que c'est plus simple. En fait, on s'est battu contre le garde. On s'est battu contre des gardes, mais en fait, on leur a mis full balle et ils sont pas morts en fait. Genre, ils étaient en god ou. Genre. Mec, je peux dire un truc, il s'est passé un truc, je suis clairement le mec il avait 12 000 HP, ils ont plus d'HP que nous, c'est incompréhensible ce que je veux dire. Autant se mettre humain, tu vois. Et les dégâts des humains, ils font plus mal que les nôtres en fait. Je veux dire, ça sert à quoi être un hurleur, pas beaucoup de dégâts. C'est comme des épines, c'est comme si on te chatouillait, tu faisais des caresses. Ouais, mais là, les seuls soldats qu'il y a. Mais non, c'est le caporal, c'est le caporal qui a foutu en fait. Qui a plus de vie qu'un hurleur, qu'un proto-hurleur, même le voir. Le seul soldat qui est là, il a 1000 de vie. Hein. Non, mais le caporal, c'est le caporal qu'on a. Bah ouais, mais c'est surtout qu'en fait, on était à deux sur lui, on a pas pu le tuer, c'est pour ça en fait. Il a niqué, mec. Ouais, non, mais je sais pourquoi il a full vie, mais c'est une exception. C'est un aussi qui est. C'est une exception, mais non. Il a sorti une arme on a back en 2 secondes. Genre, c'est un plus simple le truc. Ouais, mais dans ce cas-là, faut voir avec. Est-ce que ça, tu peux pas nous doper, tu nous injectes, c'est comme si on a pris, on a mangé des cristaux devant encore deux fois plus fort. C'est pas ça, sur du topage. S'il y a des cristaux, je fais ça. Ah ouais, aussi, j'avais une question à poser au staff. Comment on fait pour passer de grade chez les hurleurs? Tu fais des trucs comme ça, tu fais ta vie et normalement il y a la reine par moment elle va arriver et elle va te monter. La reine c'est un ami qui le fait ou c'est genre tout le monde, tous les amis peuvent le faire? Enfin, c'est un gars qui contrôle. Enfin, c'est un admin précis. C'est mec. Ouais, je sais, on peut se mettre les autres jobs. Mais si, enfin, je sais pas si je mets les autres jobs, est-ce que j'aurais. Ah oui, j'aurais une question. Moi j'ai en fait, on va perdre ma Rasengan pour courir plus vite. Si je prends un autre job, est-ce que je l'ai encore ou pas? Le Rasengan. Si c'est perma, oui. Mais du coup. Ouais, j'aurai pas le droit de tuer parce que ça sera pas le même RP. Si je prends un job ou pas? Si je prends un job parce que je n'ai pas assez d'HP. T'auras pas dû le lire! Ouais, mais t'es quand même passé super les man alors que t'étais Conrad quoi. Oh, mais c'est pris du dopage, c'est pris du dopage, entre temps comme les humains. Du dopage, voilà, quelques points de vie en plus. Tu vois, les mecs qui sont passés de parasites, j'ai demandé parce que je trouve que c'est n'importe quoi. Le lit a une vitesse presque infinie. Pourquoi parasite? C'est quoi en fait? Parasite, c'est les gars, c'est les Francs, c'est ceux qui. C'est les pilotes de Francs en fait, c'est le titre. Ouais, c'est les pilotes de Francs. C'est tu vois, les robots sexy là, tu vois. D'accord, mais c'est normal qu'on se fasse défoncer, mais vraiment ça sert à rien d'être un hurleur parce que je te dis un truc, les humains, c'est pas du tout normal. On a un contrat, même en train de se défoncer. Ouais, mais dans le manga, c'est les camarades, c'est vraiment les petites merdes, les camarades, c'est normal. Enfin. Ouais, mais en fait, quand vous allez monter, vous allez être sur suite à skip. À skip? Pourquoi j'ai pas son pistolet là-haut? Parce que je suis un mix, j'ai pas. J'ai pas son pistolet là-haut. Ah non, toi t'as pris quoi comme spécialisation? T'as pris quoi? Mix. Ah ouais, bizarre. J'ai pris mix. Après, je sais même pas, moi, perso, je sais même pas si on m'a mis mix ou gainer ou attaquant. Moi, j'ai dit n'importe quoi, ça passe. Non, j'en ai aucune idée. D'accord, ça dérange pas trop, ça pour l'instant ça dérange pas trop parce qu'on est que deux hurleurs. Si tu dis un truc, sur l'explique que tu t'es fait rec.
Non, je dis ami quand je vois ta culotte et quand tu me frappais, tu m'as frappé et tu m'as frappé de dur, tu m'as donné plus de... C'est bon, moi aussi je me suis mis pour tout le rumeur, enfin super les man parce qu'on s'est défoncé le cul hein, quand même. Une vanne, je suis là. D'accord. Attends, moi je vais juste changer ma tête, moi. Parce que 200 ans, je suis avec le skin. Vas-y. Voilà, en rose là, parce que pink c'est la meilleure. Attention, il y a un iPhone là. À ta race, tu ne peux pas être super les man. Vous deux, vous n'avez pas le droit d'être super les man. Donc, vous repassez en Conran. Si je peux dire, je peux dire un truc, mec. Je peux dire un truc. Les caporales, ils ont pas droit d'avoir 12 000 HP et que les humains battent des hurleurs en un coup. Voilà, je dis juste ça et que ça cheat les humains. Le caporal